Toute l'équipe de New Press 2000 vous accueille dans sa nouvelle surface de vente, rue Courtejoie à Ciney. Carterie, photocopie, livres, photomaton, presse et centre de validation Loterie Nationale. L'adresse change, le service reste. Toutes les informations sur newpress2000.be. There's only one ball. Always has been, always will be. It turns moments into legend. And molds men into heroes. It changes lives and breaks hearts. Thousands of memories later, one simple truth remains. There's only one ball. Spalding, the official ball of the NBA. MS Motor à Marchand-Famenne, Ciney-Dinan et Bastogne, c'est votre concessionnaire officiel Nissan et Suzuki. Un stock de plus de 150 véhicules neufs en permanence et une équipe de professionnels à votre service. Profitez de nos conditions salon impressionnantes sur toute la gamme Nissan et Suzuki. Élu meilleur concessionnaire Nissan en Belgique. MS Motor, c'est très fort. Bienvenue chez Century 21 Immo de Meuse. Une équipe performante formée régulièrement à l'évolution du marché. Immo de Meuse, des professionnels à votre écoute et à votre service. Chez nous, vous êtes déjà chez vous. Texte à l'image. Version avec audio introduction pour personnes aveugles et malvoyantes. Cette vidéo présente la page Facebook de Jérémy Brabander. Tandis que le frère de Jérémy parle, des photos et des vidéos sont ouvertes pour illustrer son propos. Jérémy, c'est mon frangin. Il a 2 ans de moins que moi et il joue comme un pied au waterpolo. Il a une bande de copains à l'humour super subtil. C'est 2 canards qui discutent, il y en a un qui dit « coin coin » et l'autre qui dit « oh purée, c'est exactement ce que j'allais dire !» Il est fan des véhicules militaires de la guerre 40-45 et de notre petite cousine Louise qui est folle de lui. Quand on était petit, on se marrait bien. Et aujourd'hui, bah, rien n'a changé. Jérémy n'a qu'une seule jambe et porte une brouette dans laquelle son frère rit, assis. Jérémy, c'est mon frère. Elle est où la différence ? Agence Wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. Bonjour, vous êtes bienvenus à Ciney pour cette finale de coupe à WBB entre le Collège Saint-Louis Basket de Liège et United Basket Woluwe, donc les Bruxellois, c'est évidemment des minimes, donc U16, ils sont nés en 99 et 2000. Avec moi pour être le consultant de ce match, Bastien Gillin. Bonjour Bastien. Bonjour. Bonjour. Alors, Bastien, vous êtes le coach en P1 homme à Natoire. Alors on peut dire les petits jeunes, vous savez comment les coacher. Oui, oui, j'ai déjà coaché dans catégorie minime régionaux. Donc, on a un spécialiste avec nous. Ouais, un spécialiste, je ne dirais pas, mais en tout cas, c'est une série que je connais et c'est vraiment une chouette série, les minimes, parce que c'est vraiment des jeunes. Ici, ben, on va avoir certainement une opposition de style, mais il y a énormément de talent et c'est une chouette catégorie à coacher en tout cas. Donc, vous connaissez pas mal de joueurs aussi sur le parquet. Oui, oui, j'en connais quelques-uns, j'ai déjà coaché contre certains, donc je vais essayer de vous expliquer les points forts et les points faibles de certains, parce qu'il y en a qui m'ont déjà fait souffrir, ou qui ont déjà fait souffrir mes joueurs, entre autres le numéro 4 à Woluwe, qui est vraiment la plaque tournante et qui a promis un bel avenir. Donc, oui, vous disiez du plus grand bien de Sacha Devreux. Oui, donc lui, je pense que... On essaye déjà de jouer avec vous. Oui, ils veulent me faire un pass. Non, ça. Je pense que la victoire de Saint-Louis va passer par le fait qu'ils doivent mettre en boîte ce distributeur et le fatiguer.
Là directement il attaque. Peut-être le premier panier déposé par Woluwe et justement Sacha De Vreux, que vous en parliez à l'instant. Oui, ben voilà, je pense que ce genre de geste va se répéter de nombreuses fois. Impressionnant, ouais, très impressionnant. La réponse liégeoise peut-être, avec dans la raquette le numéro 8, Thibaut Marine. On en dit aussi pas mal de bien, hein. ça joue, ça commence déjà directement, on est dans le vif du sujet. Je vois qu'il y a déjà beaucoup d'intensité dans la rencontre. Ici, ben, on cherche vraiment à chercher le jeu intérieur du côté de Saint-Louis. Tandis que je pense que du côté de Woluwe, on va vraiment plus travailler avec des joueurs de périmètre. Et Thibaut Marine, donc celui qui rentre d'ailleurs le premier lancé franc, on en a parlé en off avant l'émission, avant le direct, et là c'était apparemment c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, il paraît que c'est un talent. Et il serait suivi par Liège. Par Liège, carrément. Ouais. Ben, disons que c'est déjà un beau profil hein, pour son âge. Il a un beau profil et voilà, on voit que directement Saint-Louis est en pression tout terrain. Voilà, ils doivent absolument contrôler le distributeur s'ils veulent faire quelque chose aujourd'hui. Exactement, celui-là, Sacha De Vreugde. Ouais, voilà. De Vreugde qui rentre, qui tente de rentrer, qui ressort avec Rosen. Rosen bien, il a le contre. Bonne défense. Pour Liège. Ouais, ils vont encore essayer de chercher le joueur intérieur. Gonda pour Marine, justement, le voilà, le joueur intérieur. Et voilà, c'est et la dépose, ça fait 4-2 pour Saint-Louis qui vient rentrer dans sa rencontre. Actuellement, je vois pas un joueur à Woluwe qui va l'arrêter là. Il va peut-être falloir faire appel à une défense collective du côté de Woluwe. Maintenant, Woluwe vient de perdre déjà deux ballons. On sent bien qu'ils sont nerveux, hein, c'est normal. Hein. Donc, si on résume, il y a un joueur clé dans chaque équipe. Marine pour Liège. Oui, je pense De Vreugde pour Woluwe. Je pense que Woluwe est plus dépendant de son joueur clé que Saint-Louis. Saint-Louis, je pense que tout le monde va marquer à Saint-Louis. C'est plus un collectif. Gonda, le jump shot. C'est compliqué. C'est compliqué c'est de rentrer. Voilà, De Vreugde pour la contre-attaque. De Vreugde, le jump shot de De Vreugde. Voilà. Ça rentre et le bonus en plus. Voilà, c'est costaud, on l'avait dit, on le redit et je pense qu'on va le dire durant toute la rencontre d'ailleurs. Il est déjà très fort à la base, mais si en plus il est chaud, ça va être très très compliqué à l'arrêter. Il est déjà à 4 points, ça va sûrement en faire 5 ici. Je pense que les distributeurs de Saint-Louis vont passer une sale soirée. Et je pense qu'ils vont devoir vraiment faire beaucoup de rotations. De Vreugde pour le lancer franc, ça ne rentre pas, le rebond pour Liège et bonne récupération de Rosen. Rosen qui a un... Ouais, ils vont chercher intérieur. Dans la raquette qui dépose. Bien joué. Le 4-6. Le numéro 15 de Saint-Louis, de Woluwe, pardon, qui lui est un très bon shooter. Hein. On va le voir. Vous l'avez déjà vu. Oui. C'est un redoutable shooter mi-distance à 3 points. Faudra surveiller. Là, en défense, il avait du mal à contrôler son joueur. On va voir un petit peu ce que joue Saint-Louis sur les rentrées baseline. Ouais, il joue un écran pour libérer. Un shooter. Ahmed, Marine. Voilà. Marine à nouveau qui tente de la mettre. Ça aurait été son 6e point déjà. Faut bien qu'il rate de temps en temps. Oui, il faut bien. Là, il joue isolation. De Vreugde qui crée. Voilà. Voilà. Voilà, donc ici, on voit vraiment que il n'y a pas vraiment un système de jeu du côté de Woluwe. C'est De Vreugde qui joue en création. S'il peut finir, ben, il termine, autrement il distribue les assists et voilà. Et là en l'occurrence c'était Notterman et par contre la Liège c'était par l'entremise de Maxime Gonda. Ouais, très mauvaise défense sur le ball screen. Saint-Louis qui joue un ball screen du top et il n'y a pas de défense donc voilà, il se régale. Qui tente à 3 points. Ça ressort après avoir touché l'anneau. Pas de réussite dans son shot là, mais on voit vraiment que... Il est capable d'allumer aussi à 3 points, on voit dans son geste, c'est très pur. On voit qu'il a plus que quelque chose alors. Ouais, franchement. Voilà, Rosen à 3 points, on le disait que c'était un bon shooter. Et le rebond. Ouais, il y a 2 rebonds d'affilée pour Woluwe, 3. C'est pas censé arriver ce genre de choses. Ouais, non, ça c'est... Mais je pense que le rebond va être un facteur important. Parce que là, du côté de Woluwe, il y a quand même 2 beaux gabarits inside. Ils vont aller au rebond offensif et ça peut être déterminant hein, dans ce genre de match. Ici, on voit qu'il joue edging. De Vreugde, Dika. Edging sur le ball screen. Et donc, ça oblige l'attaquant en fait, à reculer
à reculer dans son dribble parce qu'il y a l'autre défenseur qui vient aider. Et voilà, il fait une passe dans le pop-out, mais là, il n'a pas pris le shot. C'est un peu dommage. Il aurait dû utiliser un petit shot mi-distance. Voilà, ici, on va encore aller chercher. Ouais, Gonda, Marine. Fort, et en plus, il shot. Et Marine, il est capable aussi de shotter. C'est un 3 points Non, il a 2 points. Il a 2 points. Là, il passe directement en presse. Sur panier marqué, Saint-Louis est en presse. Et encore un rebond, Tika, Rosen. Voilà. Rosen Devreux qui se mettait disponible. Et voilà le 3 points peut-être. Voilà, encore un rebond. De Gleaner, non. Oui, il shot à 3 points tout de suite. C'est pas bien joué. Ils doivent faire travailler cette défense. Ils veulent marquer des paniers faciles. Récupération pour Gleaner. Encore une paire de balles. On prend des risques hein, à chaque fois côté liégeois. Je pense qu'on... Ce qui est sûr, c'est que les joueurs qui sont là, ils vont pas calculer aujourd'hui. Et ils sont là pour jouer un basket total. Ils vont pas trop se poser de questions. Et ils doivent pas se poser de questions parce que c'est le meilleur moyen de passer à côté de sa finale et jouer une finale comme ça. Ça va pas se représenter 10 fois pour eux. On voit vraiment que les deux équipes sont rentrées avec énormément d'intensité dans leur rencontre. Hein. On joue à peine depuis 5 minutes et ils sont bien dedans. Hein. Là, on lui a déjà fait 3 fautes, tandis que Saint-Louis est toujours à une faute. Je pense que les lancers francs et les fautes, c'est aussi des facteurs qui sont importants dans cette rencontre. Fouta. Oui, on voit quand même bien joué, passe, extra Gonda. Passe. Voilà, encore Maris. Ouais. Il est vraiment bon. Hein. Vraiment, là, en 5 minutes, on est avec lui pour l'instant. J'ai vraiment hâte de voir le premier temps mort de Woluwe, voir un peu ce que va demander le coach pour le contenir parce que là il est. On dit que ce sont dans les finales qu'on reconnaît les grands joueurs. Oui, ben là je pense qu'il est bien parti maintenant, il reste encore 35 minutes. Et on va voir comment il va tenir sur le long terme, on va dire. En tout cas, il n'a pas l'air stressé du tout. Hein. Non, il est tranquille, on voit bien qu'il est prêt. Hein. Ils sont préparés. Hein. C'est des gars qui s'entraînent 3-4 fois semaine, ça. Y a pas de soucis. Devreux, ouais. Rosen, ils s'entendent bien ces deux-là. Oui. C'est deux pions importants de l'équipe. Le rebond pour Notterman. Encore un rebond. Hein. Devreux il va jouer. Voilà, il crée, voilà, faute, N1. Voilà, N1, il obtient N1, en plus N1, la faute. Ouais, je pense que on va avoir un mano à mano. Ouais. Et puis on va avoir un duel vraiment. Il y a deux joueurs d'exception des deux côtés. Deux oppositions de style, évidemment. Deux joueurs qui sont totalement différents, qui jouent à deux postes différents. Ils ne jouent pas du tout au même poste. Mais donc deux styles de jeu différents pour les équipes aussi. Oui, tout à fait. Pour contenir Devreux, là, il va falloir... Je pense qu'il faut lui mettre une sangsue et limite le priver de ballon parce que autrement, il va continuer à orchestrer la rencontre. Tandis que du côté de Saint-Louis, le joueur inside, ça va peut-être venir... Pour le contenir, ça va peut-être venir plus des aides défensives, voire des trappes ou peut-être le fronter pour l'empêcher de recevoir la balle au poste bas parce qu'autrement, il va encore faire mal. Hein. Donc ici, lancer franc. Ouais, ça rentre, ça permet à Woluwe de prendre 2 points d'avance dans cette rencontre. Il reste 5 minutes encore dans ce premier quart-temps. Là, il faut vraiment que Saint-Louis continue à jouer intérieur pour aller chercher des fautes. Voilà. Et Gonda, bien joué de Gonda. Là, je pense qu'il y a quand même. Encore un rebond, voilà. Très bien. Rebond et c'était Marine à nouveau. Et je pense que sur la pénétration, il y a quand même faute. Il y a un contact, pas sifflé. Mais là, je pense que Saint-Louis doit vraiment faire mal maintenant. 5 minutes, ils doivent mettre Woluwe en difficulté en allant chercher des lancers francs et en mettant des joueurs peut-être déjà à 2 fautes. Ça peut être très important. Hein. Voilà. Voilà. On l'a dit, à tranquille. Je pense que c'est Devreux 9 et de l'autre côté Marine. Marine 10. Oui, 9 ou 10, ouais. Oui. Voilà, ils vont. Donc ils jouent, voilà, ils ont Devreux, le jump shot. Voilà, bon, ouais, ça rentre. C'est terminé. Merci, au revoir. Ça c'est fait. Ouais, il faut faire attention hein, parce que. Oui, Gonda. Voilà, c'était bien joué, le rebond pour Fouta. Il n'a pas de chance, il a vraiment une belle détente ce joueur. On va voir ici l'attaque. Voilà, il le prend, c'est sûr. Il le prend. Il est chaud. Il doit le...
Et le rebond est pour Liège pour une fois. Ouais, en temps normal, j'aurais dit que c'était pas un bon shot, mais ici, il a quand même scoré pas mal avant, donc il est chaud. Il doit profiter de... Ouais, il prend le match en main. Voilà, encore une faute. Voilà, je pense que là, Saint-Louis, même s'ils sont pas encore devant au score, ils vont faire mal avec leur jeu intérieur et en allant provoquer les fautes. Oui, dans ce premier quart-temps, Saint-Louis, finalement, est mené, mais a déjà fait le plus difficile. Oui. Ils vont provoquer des fautes. Et puis, il faut faire attention du côté d'Olué, parce que j'ai un peu peur que le match ne repose que sur De Vreugd. Et là, ce serait une erreur, parce que s'il s'éteint en deuxième mi-temps, c'est bien de garder tout le monde concerné. Voilà, il prend les ballons. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu vraiment de système de jeu. Voilà, il ne va pas jouer de système, il va encore jouer. Il va y aller tout seul. Donc voilà. Ça va marcher en temps. Et Rosen. Voilà peut-être la solution, passer plus souvent par Rosen. Ouais, là, pour le coup, c'est Gliner qui met le panier. Jusqu'ici, Rosen a tout raté. Hein. Pour un shooter, les premiers shots sont très importants. Et là, il a raté quand même pas mal. Voilà. Jump shot, encore une faute. Encore une faute. Je pense que les joueurs de Woluwe sont un peu trop nerveux. Ils commettent beaucoup trop de bêtes fautes. Le stress dû à la finale, sans doute. Oui, sans doute. Oui, il faut le temps qu'ils rentrent dans leur match, mais ça peut se payer très cher. Vraiment. D'ailleurs, Rosen cède sa place. Hein. Oui, il cède sa place. Je pense qu'il est à 0-4, 0-5. Il n'est pas dans son match. Pour un shooter, c'est important de bien débuter. Pourtant, il a eu des bons shots. Hein. Il a eu une bonne sélection de shots. Il n'a pas trop forcé. Mais voilà, ça c'est... Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais si c'est vraiment un bon joueur et un vrai shooter... Il saura se relever. Oui, il va se relever, il n'y a pas de souci. Il faudra voir ses premiers shots dans le deuxième quart-temps, dans ce cas. Oui, on va voir. Ici, ce franc, le numéro 34, c'est... C'est Fouta. Cita, lui, il a vraiment une énorme détente. Oh! Oh là 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 là, étonnant. Là là là. Il y a notre arbitre, là, il craque. Là. Il se fait matraquer inside et offensive, là c'est vraiment léger. Quoi. C'est léger, alors on va en siffler beaucoup aujourd'hui. Hein. Voilà, De Vreugd. 15-13 pour Woluwe, il reste 3 minutes 30 dans ce premier quart-temps. De Vreugd avec Anderlink. Voilà. Anderlink, Gliner. C'est trop petit, c'est trop petit. Ils vont chercher le joueur inside et puis après il veut faire une passe intérieure, mais c'est trop petit, il n'y a pas assez de spacing là. Voilà, ici. Le ballon est toujours pour le Bruxellois. Ouais, il va jouer. Voilà, marcher. Là, par contre, l'arbitre ne signale rien du tout. Et Van Duren le met à 3 points de Van Duren. Je peux comprendre le coach là qui n'est pas content parce qu'on pouvait siffler. Là. Ouais, le marché de De Vreugd. Ouais, c'est un peu limite. Hein. Donc, on voit déjà que sur les deux dernières actions de De Vreugd, voilà, il se plaint, il s'est fait contrer, puis là, c'était un peu limite, et encore un peu, il perdait la balle. Voilà, il s'est vu peut-être un peu trop beau dans cette finale ou Non, je pense pas, parce que je pense pas que c'est un joueur comme ça, mais passe, extra passe, bien joué, shot à 3 points. Shot à 3 points de Van Duren, le premier était rentré, celui juste avant. Ouais. Dommage, rebond encore, hein. trop de rebond. Ils se font manger dans la raquette, les joueurs de Liège. De Vreugd. Woluwe a déjà pris 10 rebonds offensifs. Hein. Voilà, bien joué, ça. Il y a faute. Ah, il se promène. Il y a faute, Finalement, Saint-Louis ne profite pas des fautes, hein, parce que c'est 13-18. Oui, il n'en profite pas. Ça. Mais en même temps, je pense que sur les 7 minutes 30 de match, je serais curieux de savoir combien de temps on a passé en attaque du côté de Woluwe et combien du côté de Saint-Louis. Parce qu'à chaque fois, ils ont bien 2-3 shots supplémentaires. Hein. C'est un désastre. Hein. Pourtant, au niveau taille... Ils n'ont rien à envier à leurs adversaires. Woluwe a vraiment couteau entre les dents. On a beaucoup vu Marine en début de premier quart-temps. Là, on ne le voit plus. Et on va aller du côté de Saint-Louis plutôt, pour savoir un petit peu ce qui va se dire. On va voir ce que le coach Barbieux. Et les gars, viens ici. Hey, on insiste pendant 15 jours sur le rebond offensif. Voilà. J'en ai pris 10 sur un carton. Il ne marque pas en premier shot, il ne marque pas. Hein. Mais il marque sur le deuxième ou le troisième shot. Il n'y a personne qui fait son box-out. Le 11 est sorti pour deux fautes, il n'a plus une balle. Relation Thibault.
problème, c'est toi qui mets l'écran. JD. Thomas, et qui est au-dessus? Tom. JD, tu sors. Tom écarte. Écran pour Thibaut Inside. Les gars, on est sur une moyenne de 100 points encaissés, on gagnera jamais, hein. Il faut les stopper, hein. Les gars. Inside. Oui, il faut le stopper, hein. Ce sont les mots utilisés. Mais le stopper, il a d'abord commencé par parler du rebond. Ah, je pense qu'il ne faut pas être un grand connaisseur de basket pour le comprendre, il y a un gros problème au niveau du rebond. Et alors, il a signalé qu'on ne donnait plus la balle inside à son pivot. Et voilà, c'est simple, Saint-Louis ne marque plus parce que... Parce que Marine est sevré de ballon. Voilà, il n'a plus de ballon, voilà, c'est tout. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Bon, pour il a demandé un système pour aller servir Marine inside, mais on va voir. Oui, voilà. Ouais, Fouta, voilà. Ben, là, justement, il est servi. Ouais. Donc, on peut dire que c'est un bon temps mort du coach parce qu'il a montré un système, ses joueurs l'ont appliqué. Donc, c'est un classique. Hein. Il amène son petit joueur, joueur de périmètre, mettre un écran sur le défenseur de Marine. En espérant peut-être qu'il y a un switch, alors là il y aura un mismatch. Et s'il y a un mismatch, Marine peut profiter de sa taille. Ici, il n'y avait simplement pas de défense sur l'écran, donc il a reçu la balle, il était tout seul. Et voilà. Ah, et le rebond pour Fouta. Encore un rebond, Marine va jouer, il doit jouer. Ouais, il doit jouer. Costaud, il hein. doit jouer. Ça va lui faire du bien. Ouais, ouais, ouais. Ça va faire du bien surtout à Saint-Louis. Oui, oui, oui. Le press de Saint-Louis, il n'est pas très très efficace. Il prend des risques. Il prend des risques, Gleaner. Voilà. Voilà. Ouais, ça rentre avec l'aide de l'anneau. C'était Thomas Goum. Voilà, temps mort. D'ailleurs, temps mort de Woluwe directement. On va aller justement du côté de Woluwe pour savoir un petit peu ce que le coach en pense. Les gars, on sait ce qu'on joue. Enfin, ils sont avec un panier marqué, ok. Ils sont toujours dans l'attitude avec le zone presse, ok. Donc ça veut dire que nous, on doit le placer correctement avec le joueur qui fait la rentrée, venir chercher l'autre qui se décale au milieu. Là, on avance, celui-ci qui avance, etc. Mais c'est juste focus. On sait ce qu'on doit faire. On a juste à le faire, être en place et directement. Dès que le ballon arrive là, avant de dribbler, c'est ce qu'ils veulent. Regarde, et nous, on doit courir dans les couloirs. On va avoir des situations de 2 contre 1, 3 contre 2. Si on regarde devant nous et on continue, ok? Allez gars, focus! Go! Loïs pour Alexis! Voilà Bastien, on va peut-être essayer de nous vulgariser tout ça pour nos téléspectateurs. Oui, le coach a pris temps mort parce qu'il venait de perdre un ballon sur la presse. Pourtant, je trouvais qu'ils étaient pas mal organisés. Ils avaient mis un joueur au centre. La passe est arrivée. Maintenant, il y a eu trop de dribbles. Ce que le coach souhaiterait surtout, c'est que passer le press beaucoup plus vite en passe. Éviter ce genre de situation. Voilà. Ah, comme on vient de voir juste à l'instant. C'est dommage parce que là, ils viennent de faire tout le contraire par rapport aux demandes du coach. Donc un mauvais temps mort dans ce cas-là. Non, c'est pas un mauvais temps mort. Je pense qu'il a pris son temps mort, il a raison. Après, il y a des messages qui passent plus vite que d'autres. C'est bien passé à Saint-Louis tout à l'heure. Oui, voilà. Donc si ça tombe la prochaine fois, ça va aller. Mais ce que le coach souhaite, c'est qu'il passe le press très vite en passe pour avoir des situations de surnombre. Donc je pense que s'ils y arrivent, on va vraiment voir des joueurs de Saint-Louis très agressifs après le passage du zone press. Voilà. Encore une faute offensive, c'est la deuxième, je pense que c'est pour un écran mobile. Voilà, bien sûr Saint-Louis voit que le press gêne Woluwe, donc ils en rajoutent. Là, depuis le début du match, là, ils ont réussi à sauter le press. Voilà. Après ils sont en zone, passage en zone, après le press, classique on va dire. Ouais, le jump shot de Dika qui ne rentre pas, il rebond encore pour Woluwe. Ils prennent 4 points d'avance. C'est une catastrophe. Et peut-être encore le bonus, ça fait 18-22. Ouais, non, là, c'est une catastrophe. Hein. Le rebond, ils le font exprès. Ouais. C'est pas possible. Mais donc Saint-Louis voit que son press marche pas mal. Donc ici, il le jouait sur panier marqué. Bien souvent, en zone press, on joue sur panier marqué. Et là, même sur une rentrée
une rentrée latérale, le coach l'a demandé parce que il voit bien que c'est il y a une faille à exploiter de ce côté-là. Et là encore une faute. La faute de Rosen. Ouais, il va y avoir énormément de fautes. Est-ce qu'on peut expliquer le nombre de fautes par le stress tout simplement, la pression de la finale? Oui, ben je pense que on n'arrive pas à ce niveau-là si on n'est pas agressif. Hein. Il faut bien se le dire. C'est des joueurs qui jouent agressif en défense. Et bon, aujourd'hui, on est dans une finale, donc l'arbitre siffle peut-être un peu plus. Hein, il faut se le dire aussi. Ouais, le deuxième lancé franc. Ils ont de envie que le match dégénère. Qui sort? Voilà. De Bruggs avec Gliner. Ouais, bien joué. Bien joué. Bonne attaque d'Ano. Ouais, plus 5 pour Wolu. Il reste 50 secondes dans ce premier carton. Oui, donc. Voilà, on va chercher à l'intérieur. Move. Marine du soutien avec le numéro 2, c'était Tom Venta. Ouais, donc si Saint-Louis shot assez rapidement, de toute façon, ils n'ont plus que 8 secondes. Ils auront encore une possession. Ils auront encore une fois le ball. Il faut shotter rapidement maintenant alors. Voilà, le shot 3 à 3 points. Dommage. Ça ne rentre pas, okay. C'était Goom. Voilà, il y aura encore une possession pour Saint-Louis, ça peut être important. Voilà. Donc là, on fait défendre le joueur qui a le plus de taille du côté de Saint-Louis sur le meneur. Ça, c'est étonnant quand même. Oui, c'est. Voilà, tant qu'il le contrôle. Avec Gliner, faute sur Gliner. Oh, dommage. En fait, tant qu'il le contrôle, c'est le plus important parce qu'après, avec son envergure de bras, ok, il va peut-être même mettre moins de pression qu'un. Il est moins vif. Il est moins vif. Oui, il est moins vif, mais avec son envergure de bras, s'il le contrôle bien, quand le joueur va shotter, il va peut-être pouvoir le gêner un peu plus facilement qu'un joueur de périmètre traditionnel, on va dire. Donc, c'est pas un mauvais choix. Il faut avoir des joueurs capables de le faire. Quoi. C'est pas donné à tout le monde. On va bien voir si Fouta est capable de le faire, en tout cas dans les secondes qui suivent. On a signalé la faute d'un mauvais joueur, je pense. Hein. Oui, il y a eu une petite erreur de communication entre l'arbitre et la table, en fait. Simplement, voilà, le coach était attentif. Et pas de soucis, c'est deux choses qui arrivent. Oh là 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 là. Ah. Simplement sur un simple press man-to-man, là il perd un ballon. Ouais, ça permet à Wolué d'avoir une dernière possession. Ouais, voilà, Wolué peut revenir à deux possessions. Voilà, il va jouer secondes, l'isolation. 5 secondes et il est bien contré, bien intercepté, mais c'est quand même récupéré. Rosen qui tente directement. Qui a tenté sur le buzzer. C'était compliqué. Ça sent... ouais, 19-25 pour Wolué après ce premier carton. Que peut-on penser, Bastien? Ben, je pense que c'est un peu le genre de match dont je m'attendais. Deux équipes très agressives, avec quand même pas mal de déchets. Mais malgré tout, il y a quand même pas mal de points marqués. Donc ça reste un match d'un bon niveau. Mais je pense que les deux équipes ne jouent pas pleinement à leur niveau habituel. Mais ça va peut-être venir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a De Vreugde d'un côté et Marine de l'autre côté qui sont vraiment les deux joueurs dominants de ces équipes. J'espère qu'autour d'eux, il y a quelques gars qui vont se montrer pour qu'on assiste vraiment à un match plein. En tout cas, les personnes qui nous avaient prévenus avant le match n'avaient pas tort. C'est donc Marine et De Vreugde de chaque côté. De Vreugde, on en parlait aussi en off. Apparemment, ce serait un joueur capable de voir le top. Oui, ben je pense qu'il est sélectionné en sélection nationale et en tout cas en présélection. Il faut dire qu'il est bien drillé par son papa parce que c'est son papa qui l'entraîne habituellement, qui est absent aujourd'hui parce qu'il a match avec Vilvoorde, il coach en D2 à Vilvoorde. Mais c'est un garçon que j'ai vu en pupille, que j'ai vu il y a 4-5 ans en pupille, il était déjà très dominant et il a bien évolué, il s'est surtout développé physiquement. Il est peut-être un peu barré par sa taille. Hein, il n'est pas très grand, mais il a beaucoup de talent. Tandis que de l'autre côté, ben, Marine, lui, c'est vraiment un joueur intérieur, un futur pivot. Je sais pas si il a pris un shot mi-distance.
Je pense que pour un joueur comme ça, ce serait important de développer son shot dans le futur. Ici, Dovreux qui joue en nuit. Oui, c'est reparti pour ce deuxième quart-temps, donc plus 6 pour Volué. Ouais. Avec le rebond pour Fouta, il fait du bien quand même, hein, Fouta, au niveau rebond. Ouais, heureusement qu'il est là. Il est présent. Saint-Louis. Il est présent, il va faire du bien. Là, en situation de top screen. Oui, il va. Ah, ouais, avec Gonda à 3 points. Ça ne rentre pas. C'est pas bien joué. Hein. Peu de shots à 3 points sont rentrés dans cette rencontre. Hein, oui, non, mais ici, c'est pas une bonne sélection. Hein. Il joue un top screen, il y a un joueur qui plonge inside. Et lui, il prend le shot directement. C'est un peu forcé. Il n'était pas ouvert en plus. Voilà. Envers sa balle. Ah, il dit qu'à la passe pour Rosan était un petit peu limite. Ils ont un peu de chance pour le coup. Il va le jouer. On voit vraiment. Allez, Devreux qui va déposer. Ça ne rentre pas cette fois-ci. Et le rebond encore pour Fouta, je le répète. Ouais, vous avez raison de signaler. Il est important là pour l'instant au niveau du rebond. Bon, ouais, c'est bien joué. C'est très bien joué de Thomas Goum. Ouais, c'est. On voit. Avec Marine, c'est l'autre hein, qui met des paniers. On a vu Venta aussi un petit peu tout à l'heure. Oui, Venta, le distributeur qui met de la vitesse. Ici. Rosen qui n'est pas encore rentré dans sa finale. C'est peut-être maintenant d'ailleurs. Non, c'est difficile. Hein. Il est fort, signé par Rosen. Il est à côté de sa pompe. Mais. Wolué joue vraiment beaucoup de situations de 1 contre 1. C'est du passing game. On passe, on coupe. Et puis après, upside. Bonne aide opposée. Bien, bonne défense. Il doit lâcher. Diener qui lâche pour Rosen. Voilà. Et il ne le met pas, il est complètement hors de son match. C'est une catastrophe pour lui pour l'instant. Hein. Faut pas avoir peur de le dire. Non, il faut pas avoir peur de le dire, mais peut-être que ça ira mieux. Oui, j'espère pour lui en tout cas. Parce que... il risque de s'en vouloir sinon. En plus, c'est un joueur important. Hein. C'est pas comme si c'était un backup de l'équipe. Bon, le shot à 3 points. C'était bien pris pourtant. Oui. Voilà. Il y va seul, Venta. Bien provoqué, il va provoquer intérieur. Est-ce qu'on peut dire finalement que Saint-Louis est plus collectif et de l'autre côté on se bat sur les individualités? Oui, je pense. Je pense que. Mais maintenant c'est un souhait. Hein. Je pense que on est moins dans des systèmes de jeu du côté d'Olué, mais connaissant le coach et un petit peu. Sa philosophie, je pense que ce qui l'intéresse, lui, c'est pas de former une équipe. Si, c'est important, mais c'est pas le plus important. Lui, il tient vraiment à former les jeunes et il les met dans toutes les positions. Et c'est tous des joueurs redoutables en 1 contre 1. Et dans le basket moderne d'aujourd'hui, c'est super important. Donc, ici, on va voir. Ok, il y a un double écran. Staggerut. Là, voilà. Un marché de matelas, je pense que c'est juste. Mais là, pour une des premières fois, on a vu vraiment une situation un peu plus construite avec un Staggerut, double écran pour libérer un joueur. Il n'avait pas le shot, après, il y avait un screenaway, mais ça n'a rien donné. On voit vraiment maintenant que il va jouer à l'intérieur, il vient aider à deux, il vient fermer inside. La défense collective de Wolué est déjà un peu plus en place par rapport au début de match. On arrive un peu mieux à tenir et à sevrer de ballon Marine. Oui. Voilà, il force. Oh là 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 là. En glissant, en tombant, Devreux qui parvient quand même à la mettre. Ok. C'est pas comme ça qu'ils vont gagner le match. Je pense pas en tout cas. Ils vont peut-être le gagner, mais il ne va pas en marquer 10 de pareil. Maintenant. Ah, le marché de Marine. Marine. Il s'est fait mal peut-être là, d'ailleurs. Ah, ce serait une catastrophe hein, de perdre Marine. Là, je pense. Ah oui, ça fait mal aux pieds. Mais c'est dommage parce que là, il attaque l'anneau, il aurait pu prendre un petit shot. Il a voulu terminer inside, mais je pense pas. C'est un costaud, hein. il va continuer, il va mordre sur sa chic. Il va forcer, mais s'il a mal, il tiendra pas longtemps un rythme pareil. Hein. Il a l'air de dire que ça va. Là, le coach demande 713, à mon avis, ça c'est son press. Donc, press 1-2-1. Ah bah alors que Marine boite toujours. Hein. Ouais. Donc, ici sur la press, il y a deux joueurs qui vont être rappés. Il va d'abord guider. Voilà. Très bien joué d'Olué. Souvent sur les presses, on met un joueur au milieu. Ça tue. En l'occurrence, c'était Mukamba. Ouais, ça tue le press.
Gliner, le rebond. C'est pas normal qu'on puisse faire la passe comme ça au centre. Encore une paire de balles. À noter que Fouta n'est plus sur le parquet, donc niveau rebond, c'est déjà un petit peu difficile, un peu plus difficile pour Liège. Passage en zone, de Saint-Louis, passage en zone 3-2. Ouais. Avec Gliner. Voilà. Vous voyez par exemple, c'est un peu systématique à évoluer. Ici, il y a un passage en zone, bien souvent, sur une première attaque de zone, on fait voyager la balle pour faire voyager la défense. Ici, on a vu une passe, deux passes, un contre un. Il attaque l'anneau. C'est... Voilà. Et le rebond encore une fois pour Woluwe et De Bruyck qui la met. Fait 29-22, il reste 6 minutes 30 dans ce deuxième quart-temps. C'est pas possible. Tu penses que c'est la première fois que l'écart est aussi important, hein, de 7 points? Ouais, il y a 7 points. Ouais. Là, il va jouer, Il doit le provoquer. Oh là là. Il tente de 3 points. Il ne faut pas bien jouer. Il peut pas faire ça là. Il a... c'est peut-être rassurant finalement, hein. Il ne peut pas tout réussir non plus. Oui, mais là, je pense qu'il a exagéré là. Parce qu'en plus, il est sur une situation lancée d'un contre 1. Il a Marine qui le tient. Ouais. Marine a moins de jambes que lui, donc il va avoir du mal à le contrôler. S'il l'agresse, Marine va peut-être faire une faute. Je pense que alors c'est sa deuxième et ça peut être important. La situation de top screen. Ah mais Edventa. Là on voit vraiment qu'il front les pivots maintenant. Donc il laisse plus recevoir la balle inside comme ils ont fait en début de match. Il front, donc ça veut dire qu'il joue devant. À ce moment-là, la seule possibilité c'est soit de la relation à Hilo ou soit... soit de la passe lobée. La passe lobée, c'est souvent risqué. Voilà. Ouais, De Vreugde encore une fois tout seul. Et le rebond est pour Marine. Donc pour Saint-Louis. Contre Venta. Venta qui rentre. Une faute. Oh, c'est léger. Hein. C'est très léger. Alors on siffle tout. Hein. De Vreugde qui va scorer. Hein. Il va certainement finir à 20-30 points aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Mais je serais curieux d'avoir un petit scouting et savoir combien de shots il va prendre. Hein. Ouais, Venta. Oh là 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 là, c'est risqué, cette passe bien jouée. Oui, mais voilà, passe, super. Ça, superbe panier d'Amen. Hein. Ça s'appelle la vista et c'est très bien joué. Oh là. Là par contre il y a une faute normalement. Voilà, il va y aller. Ouais, joué. De Vreugde, la passe pour Camara qui dépose ce panier. Ouais. Alors que du côté de Guillaume Barbu, on n'est pas satisfait. Hein. Oui, je pensais qu'il y avait une petite accrochage là, encore une faute. Mais il y avait une faute. Par contre, très bonne contre-attaque. Woluwe en a pleinement profité. 3 contre 1. Il a attendu que le joueur vienne en défense dessus. Petite passe à rebond en zone de finition. C'est bien joué. Et Woluwe garde 7 points d'avance. Et on est à la moitié de ce deuxième carton. Et Marine, ça fait déjà quelques minutes qu'il n'a plus scoré. Hein. Il s'essouffle. 13, ouais, il joue 13, donc il reste en... Oh là là, là, il a de la chance. Voilà, une passe, deux passes. Oh! Il laisse, il va prendre le shot. À 3 points. Il y est. Oh non. Pas beaucoup de réussite dans ses shots à 3 points. Non. Et encore les rebonds, et cette fois-ci, Saint-Louis s'en sort bien. Oui. Mais ils ont du mal. Hein. Oui, ils ont beaucoup de mal au niveau du rebond. Hein. Mais... De Vreugde jusqu'ici, c'est vrai qu'il n'a pas eu trop de réussite dans ses shots extérieurs, en tout cas longue distance. Donc c'est peut-être... Oh là là, la passe de Marine, il a de la chance. Il faudrait vraiment travailler pour le contrôler dans le 1 contre 1 et laisser plus ses shots. Bien. Le shot de Venta était compliqué. Hein. Voilà, il va agresser. Il agresse, bonne défense de Venta, très bien, excellent. Bon contrôle, 3 points. 3 points. Camara, allez, go, regarde. Sorry, je m'emballe. Oui. Bastien sur le parquet. Ouais, je m'emballe là, mais il y avait une fameuse contre-attaque à jouer. Hein. Allez, on va le chercher. Il doit ressortir. Marie, il doit ressortir. Hein. Ouais, mais là, par contre, avec l'aide de la planche. Il y avait longtemps qu'il avait pu marquer, je pense que. Ça va lui faire du bien, celui-là. Oui, c'est. Oh là là. C'est gentil.
pense que le garçon était conscient que les dernières attaques n'étaient pas bonnes. Il voulait marquer pour se rassurer. Parce que là, il doit ressortir son ballon. Hein. Il y a un open shot. Et le gars, il est dans un fauteuil pour shotter. Et il ne sort pas. Donc, petite discussion. On voit bien qu'il y a de la tension. Il y a de la tension chez les deux coachs. Il n'y a que 5 points et Wolu a déjà fait 4 fautes d'équipe. Hein. Et Saint-Louis fait très peu de fautes. Hein. Ouais, dans ce deuxième quart-temps, aucune faute par exemple. Mais je pense que c'est... Il est bien passé, Goum. Marine. Là, il force. Il y va tout en puissance. Il a eu un peu de chance sur le coup. Ouais. Ok, il marque, il doit jouer, mais là, il force quand même. Hein. Un temps mort qui est demandé. On va aller peut-être du côté de Saint-Louis pour savoir ce que va raconter Guillaume Barbieux. Prends le temps mort maintenant. Hein. Les gars, le 11 a 3 fautes. Hein. Ok, on joue une fois ceci. Thomas, tu viens en dribble que tu es opposé à Thibaut. C'est lui qui est tenu par le 11. C'est lui. D'accord ? Prends un écran ici, tu te décales. Orly, tu es là. Au moment où on prend l'écran, tu viens mettre un écran. Tu provoques le switch. Et là, tu demandes inside. À chaque fois, tu fais la même chose. Tu dribbles vers la baseline. Viens vers l'intérieur. Là, ils t'attendent pas. Hein. Hey, guys. J'ai encore un temps mort. Hein. Et 713. Voilà. Alors Bastien. Donc c'est très bien coaché de la part de Barbieux, le numéro 11 à 3 fautes, qui a dit je pensais qu'il en avait 2, mais il m'a dit Alexis 3. Moukamba, le numéro 11. Et donc la prochaine attaque, moi j'appelle ça voler un panier. Donc il prend un temps mort où il demande un système qu'il ne joue pas habituellement. Au top niveau. Avec Lineur, waouh! Voilà, on va voir ici le système. Donc, c'est un peu la situation que j'ai décrite tantôt. Il va demander à un petit d'aller mettre écran. Pour protéger Marine. Pour provoquer un mismatch. Et puis, voilà. Votre écran. Voilà, il n'arrive pas. Il n'arrive pas, non. Il n'arrive pas à faire ce que le coach a demandé. Mais il y va seul. Là, il marque quand même, c'est important. Au top niveau, les coachs au temps mort demandent souvent des systèmes de jeu qui ne jouent pas très habituellement, parce qu'au top niveau, bien sûr, les équipes sont scoutées. Oh là là, le vache. C'était De Vreux qui était revenu et ça n'a pas suffi parce que Goum suivait bien. Il est monté, hein. Là, il... Camara, Moukamba. Là, il doit jouer, il doit attaquer. Voilà, mais Moukamba, Glina. Très bien. Oh là là. Qu'est-ce qu'il rate par contre, là, il rate l'immanquable. Il s'y reprend deux fois. Il aime bien marquer des shots difficiles. Le problème, c'est qu'il y a Sacha Devreux qui fait un bon retour défensif. Et puis, les joueurs de WWE sont spectateurs. Bah, c'est le seul qui était revenu. Hein. Ouais, donc, voilà. Là, ils veulent aller chercher l'intérieur. Voilà. Là, ils font ce que le coach a demandé. Il marque avec de la réussite. Bah, il en faut dans une finale. Et Saint-Louis revient à seulement un point, 34-35, il reste 2 minutes. Ils sont bien revenus dans le deuxième quart-temps, ils ont accusé à un moment donné un retard de 7 points. Oui, non. C'est... Les temps morts ont fait du bien. Oui, les temps morts ont fait du bien. À chaque fois, ils ont porté leurs fruits pour l'instant. Les joueurs répondent bien. Puis surtout, le press de Saint-Louis est en train de gêner très très fort au lieu. Vous avez la remarque dans le premier quart-temps, le pressing ne fonctionnait pas du côté de Saint-Louis. Là maintenant, ça va beaucoup mieux. Regardez, là il joue trop loin de l'anneau. Et sur la zone, là. Voilà. De Vreux qui va seul. Bien joué. Il fait la passe à Moukamba dans la raquette. Quand on a un ballon intérieur comme ça, il doit monter, il ne doit pas hésiter. Surtout avec son physique. Et la zone de Saint-Louis fonctionne très bien pour l'instant. Même s'il y a quand même encore beaucoup d'espace, je trouve. Mais voilà, pour l'instant, où lui ne trouve pas, voilà, il va encore chercher l'intérieur. L'intention est là, hein, d'aller provoquer une faute supplémentaire du numéro 11. Hein. Parce qu'ils savent bien que s'il n'est plus au jeu, au niveau du rebond, ça va un peu soulager Saint-Louis. Parce que
Il en a pris quelques-uns déjà. Sventa. Goum. Ah, le shot bien joué d'Ahmed. C'est pas son premier panier à Romain Ahmed. Et ça permet à Saint-Louis de passer devant. Donc ici il sort d'un double écran. Donc l'intention c'est qu'il shot, qu'il soit libre après le double écran pour un shot ouvert. Il a pris le shot, mais après un drive, un shot compliqué quand même. Dedans. C'est pour ainsi dire la première fois que Saint-Louis prend les devants dans la rencontre. Ouais. Et il reste 1 minute 30 avant la fin de ce deuxième carton. Je vais peut-être me mouiller, mais je pense que si Saint-Louis prend l'avance et creuse un petit écart, j'ai bien peur qu'on connaisse très vite notre peur, non ? Mais je pense qu'on va vite connaître le vainqueur de la finale parce que collectivement, je trouve que Saint-Louis développe un meilleur basket. Tant offensivement que défensivement ? Oui. Peut-être plus de difficultés défensivement. Oui, je pense que Wolu a voulu corriger le tir en venant aider inside, etc. Ça a pas mal marché, mais... Voilà, Marine qui se fait remplacer par Fouta. Oui, c'est... le coach a raison. Il reste 1 minute 30. Il faut le faire souffler. Il va encore avoir deux attaques de chaque côté, deux, trois attaques. Il peut le faire souffler. En même temps, il ne fera pas de faute supplémentaire. C'est bien joué, c'est bien coaché. Premier lancé franc de William Mathieu qui rentre. Et deuxième également, plus 3 pour Saint-Louis. Il reste 1 minute et 32 secondes. Voilà. Encore le press. Et ça, c'est important. Ouais, il joue le. Le match de Fouta qui vient de remonter sur le parquet. Ouais. Ahmed Fouta. Il doit organiser. Voilà, très bien. Passe, extra passe, shot. Ok. Ah, le rebond. Oh, il prend. Il va la chercher. De William Mathieu. Très bien, il va la chercher. Ils en veulent là, Saint-Louis. Ils sont en train de se rendre compte qu'il y a un coup à jouer. Hein. Ils en veulent et ils jouent aussi très intelligemment le coup, à chaque fois. Ouais. On va faire le compte des fautes à la mi-temps hein, parce que ça va jouer. Ah, on retrouve notre ami Rosson là. Ouais, le revenu là sur le parquet avec un peu plus de réussite pour lui, on l'espère en tout cas. J'espère pour lui aussi. Mais... Pourquoi il y a deux shots. Il y a deux shots là. Il n'est pas concentré là. Ça. Ah non, Gleaner là n'avait pas très bien suivi l'action. Ou peut-être trop bien suivi l'action justement. Ouais. Bon. Mathieu qui met le deuxième. 4 points d'avance pour Saint-Louis, 39-35. C'est reparti à toute vitesse avec Devreux. Il va jouer, Devreux qui va jouer seul. Voilà. Et ça peut être très important celui-là. Ouais, ils vont encore avoir une attaque après en plus. Goum et le ballon. Ouais, ça sera pour Saint-Louis. Il a eu un peu de réussite. Si Saint-Louis. Un temps mort demandé par le coach de Saint-Louis. On va peut-être aller alors du côté de Woluwe pour savoir comment faire pour stopper l'hémorragie. Ouais, là, Saint-Louis peut faire mal. Hein. Ils ont 4 points d'avance, ils vont avoir deux shots. Bah là, on entend le coach pardon, de Guillaume Marvieux du collège Saint-Louis. On essaie un shot rapide dans les 10 secondes pour avoir une dernière possession. Ouais. Thomas, tu démarres ici au top. Tu mets l'écran là sur Orly. Orly, démarquage, tu dois recevoir cette première balle. Will, ici, écran pour Romain. Non, Will et Romain. Écran, si jamais tu ne sais pas, tu curls et c'est Romain qui est sur cette première passe. Ce qu'on fait là, à ce moment-là, Thomas, tu restes là, on va renverser le ballon. Passe, éventuellement une deuxième passe, on vient chercher l'écran de Thomas sur Thibaut inside. Ok les gars, hey. Attends bien. Toujours cette intention de jouer intérieur. Il veut aller marquer un panier inside et aller provoquer la faute encore. Oui, on vous a vu hocher. On vous a vu hocher la tête. Ouais. En tout cas, moi, je vous ai vu hocher la tête durant le temps mort. Mais vous auriez fait pareil. Jusqu'ici, je pense que Barbieux est en train de gagner la guerre des coachs. Là, entre les deux coachs, pour l'instant, je pense que... On ira voir ce qui se passe du côté de Wolu après. Oh, voilà. Il joue une isolation. Goum qui va seul.
Et le pressing continue. Hein. Ouais, il est sur tous les ballons. Lui. Oui. William Mathieu, il est sur tous les ballons. Je sais pas ce qu'il a pris avant le match. Ouais, je vais prendre la même chose la prochaine fois. Oh là là, il y a il faute, est encore hein. là, il y a faute. Oh non. Hein. Moi j'aurais sifflé. Enfin... Ouais, écoute, pour Saint-Louis et non pas. Franchement. On switch Fouta et Marine. Ouais, c'est bien joué. Voilà, il est en train de faire sortir ses joueurs importants. Il avait fait remonter Marine pour l'attaque, hein, pour qu'il aille marquer inside. Puis là maintenant, pour la défense, il n'en a pas besoin, hein, parce que c'est trop risqué qu'il fasse une faute. Donc, puis Fouta est important aussi au rebond. Fouta va aller au rebond, va avoir le rebond. Là, ouais, le shot de Camara, ça rentre bien joué. Bien joué. Bon shot. Voilà, dernière attaque. 10 secondes. Voilà, il joue un ball screen du top. Il prend le 3 points. Qui prend le 3 points, ça ne rentre pas le rebond. Ah, il a failli être pour Fouta. Attention. Et le contre, il reste une seconde sur le buzzer. Ouais, ça ne rentre pas. C'est pas bien joué de la part de Saint-Louis parce que là, il prend un shot à 3 points alors que les autres ont 5 fautes d'équipe. Et surtout, il a quand même laissé une possession à Woluwe. Il restait 3 secondes. Et normalement, quand on a une dernière attaque comme ça, après le shot, le buzzer doit retentir et c'est terminé. Parce que ça, c'était risqué. Ici, s'il devrait lui mettre 3 points, ok, c'est un shot compliqué. Mais s'il le met, ça peut. Il passe devant. Et puis en plus de ça, ça peut complètement changer la physionomie du match avec le moral de Woluwe qui peut remonter très vite. Donc, En attendant, c'est 39-37, Saint-Louis n'a que 2 points d'avance. Vous l'aviez dit, si Saint-Louis parvient à prendre peut-être un petit peu plus de points d'avance, ils seront très difficiles à aller rechercher. Oui. C'est ce qu'on risque peut-être de voir en deuxième mi-temps. Oui, le début du troisième quart-temps va être très important. Hein. Ça va être très très important, voir un petit peu comment Woluwe va réagir. Peut-être un changement de défense aussi du côté de Woluwe qui joue que man-to-man alors que il y a beaucoup de fautes, tandis que du côté de Saint-Louis, là, on a déjà changé de défense et ça porte ses fruits. Donc, ils sont revenus grâce à ça. Hein. Oui, à distance, par contre, on n'a pas vu énormément de shots rentrer des deux côtés, d'ailleurs. Hein. Oui, non, sur la zone de... Ok, ça va. Ok, non, mais sur la zone de Saint-Louis, on a vu très peu de shots à 3 points, donc... Ça confirme un peu la philosophie de jeu de Woluwe qui joue beaucoup en un contre un, en provocation. Parfait Bastien, merci pour toutes les explications. On va lancer la pub et ensuite quelques petits sujets qu'on a concoctés. On revient dans 13 minutes pour la deuxième mi-temps de cette rencontre. C'est 39-37 pour Saint-Louis face à Woluwe. D'expérience sur Ciney et une volonté constante de toujours mieux vous servir, Rudy et Vincent vous invitent à découvrir leur second bureau à Rochefort. Les assurances de Way, 2 agences, une même équipe et un même service. Assurances de Way. Dimanche de 10 à 13 heures. Parce que dans la vie, tout peut arriver, Parthénamut est toujours présent pour vous accompagner. En intervenant dans vos frais d'hospitalisation. En vous offrant de nombreux avantages pour la naissance. En remboursant le sport et les stages de vos enfants.
et en vous remboursant vos frais dentaires pour que toujours vous gardiez le sourire. Pour toute information ou un rendez-vous, partenamut.be ou appelez-nous au 0800 99 788. Partenamut, on vous simplifie la santé. Auto-école Rati, 48 ans d'expérience à votre service. Cours théorique et pratique tout permis et agréé SPF Mobilité. Auto-école Rati à Ciney, Marche et Dinan. La sécurité routière, c'est notre métier. MS Motor à Marchand-Famène, Ciney-Dinan et Bastogne, c'est votre concessionnaire officiel Nissan et Suzuki. Un stock de plus de 150 véhicules neufs en permanence et une équipe de professionnels à votre service. Profitez de nos conditions salon impressionnantes sur toute la gamme Nissan et Suzuki. Élu meilleur concessionnaire Nissan en Belgique. MS Motor, c'est très fort. Shimsco, c'est votre spécialiste pour la conception, la fabrication et la pose de constructions en bois de qualité. Charpente, maison ossature bois, carport et abri de jardin pour les particuliers et les entreprises. Les charpentes Shimsco, un travail de haute précision et de haute performance. Shimsco.be. Deux jours avant le grand événement, Jean-Paul Houard nous a reçus au RBC Ciney. Ce que représente la Coupe, pourquoi avoir voulu l'accueillir, mais aussi ce que cela nécessite comme investissement financier. Le secrétaire du RBC Ciney nous dit tout et parle des grandes ambitions du club. Entretien. Le fait de l'accueillir ici à Ciney, de l'organiser, qu'est-ce que ça représente pour le club, pour l'image du club ? Ben, c'est avant tout avoir le plaisir de recevoir le gratin du basket francophone. On avait envie de pouvoir montrer que l'RBC Ciney peut accueillir et bien accueillir ses hôtes. Et puis, de toute façon, il faut penser aussi à nos dames. On avait quand même, via le tableau des éliminatoires de la Coupe, une bonne chance de pouvoir finir en finale. Donc c'était quelque part un coup à jouer. Ça, c'est indéniable. Il y a un intérêt financier derrière. Recevoir entre 2 et 3 000 personnes, voire peut-être plus, on verra ce week-end. Mais recevoir du monde va générer des rentrées, évidemment. Et tout le monde sait que chaque club a besoin de ressources financières et de nouvelles ressources, puisque le sponsoring est de plus en plus compliqué. Il faut d'abord dire que c'est une organisation de la fédération et nous sommes le club qui allons recevoir les coupes et dont on doit travailler de concert avec un cahier de charges relativement important. Il fait 6 pages avec une checklist de 4 pages où chaque chose a sa place. Par rapport au cahier des charges, nous sommes obligés d'assumer une grosse partie de l'arbitrage à concurrence de 1 000 euros et nous devons participer à l'achat des coupes. Voilà, c'est en réalité, c'est ce que la fédération demande au départ, donc c'est-à-dire 1 500 euros. Donc, c'est public, il n'y a rien à cacher, bien entendu. Donc 1 500 euros qu'on doit déjà avoir au départ si on veut démarrer sur une feuille blanche. Donc 1 500 euros. Maintenant, autour de cela, on a fait quelques petites dépenses puisqu'il fallait équiper avec les équipements. Donc j'ai dit qu'au départ, il nous faut 2 500 euros avant de commencer. Je peux affirmer que pour cette manifestation-là, les membres du RBC Ciney ont vraiment répondu relativement vite à notre appel. Nous sommes aujourd'hui à 156 bénévoles, plus les 15 membres du conseil d'administration, donc presque 170. C'est énorme. Très franchement, via les mails, via le site du club, on a pu avoir une belle collaboration de l'ensemble des familles, l'ensemble des joueurs. Et franchement, là, on voit que le RBC Ciney est une grande famille. Je pense qu'on met la barre relativement haute. J'ai dit en boutade au président du département des coupes que le suivant allait avoir dur parce qu'on a voulu vraiment faire de grandes choses. J'ai invité Giovanni Bozzi dimanche. J'espère pouvoir faire revenir Charleroi au mois d'août. Bon, c'est une ND1, c'est pas une organisation comme ceci, mais ça nous correspond un petit peu pour venir et donc il sait très bien où je veux en venir. Donc et j'ai déjà un petit accord avec lui en disant oui, pourquoi pas, on reviendrait à faire un match. Et mon petit rêve derrière, je peux le dire, c'est pas un problème, c'est qu'on associe un match avec Charleroi et peut-être avec Brian Amphi. Pourquoi pas? Ce serait quand même une apothéose. Quoi. Ma défense est une qualité parce que j'essaie de m'améliorer ainsi de suite.
et la vitesse aussi. Ta place de prédilection? Meneuse, mais je peux jouer un peu partout. Séraphine Bastin a 14 ans, elle fait partie du groupe de 22 filles du centre de formation de l'association Wallonie-Bruxelles de basketball. Bien, bien, coup, voilà. Séraphine, elle a vraiment un très très bon physique. Elle, ce qu'elle doit vraiment travailler, c'est son shot à distance, améliorer cette facilité de shot pour pouvoir lui permettre d'alterner shot à distance et pénétration et jouer sur son physique. Elle a commencé le basket à Dinan avant de rapidement rejoindre le club de Namur Capitale. Je joue en minime avec Étienne Loubrier. C'est top, avec des filles de mon âge. Et je joue en cadette avec Yann Calohart. Et c'est top parce que ça nous apprend à jouer contre des filles plus âgées et plus expérimentées dans le basket. Comme les autres filles minimes du centre, Séraphine dispute les rencontres avec son club le week-end. Elle a rejoint la WBB en début de saison après avoir passé l'écueil des différentes sélections. Le centre de formation existe depuis 11 ans. Lors des deux premières années, il était exclusivement tourné vers le basket féminin. À l'époque, le basket féminin avait besoin vraiment d'un centre pour former tous les jeunes potentiels de la WBB. Les clubs fonctionnaient un petit peu au ralenti, il n'y avait pas vraiment de club porteur à ce niveau-là. Le centre de l'association Wallonie-Bruxelles de basket est en partie subsidié par l'ADEPS. Tout y est pensé pour faciliter le quotidien de ces jeunes qui ont entre 14 et 18 ans. Elles vivent ensemble, elles dorment ensemble, elles se lèvent à 7h du matin, elles déjeunent ici, puis elles vont à l'école. Et puis elles reviennent, si elles ont une heure de fourche, elles peuvent revenir s'entraîner, que ce soit un entraînement de préparation physique ou un entraînement de basket. Et puis elles rentrent à 4h comme tout élève et elles goûtent, elles ont entraînement et puis elles mangent et elles étudient. C'est quand même un rythme de vie assez intensif, non? Ouais, quand même. On a des entraînements tous les jours, on doit s'adapter avec l'école et ainsi de suite. Et, ça nous apprend à être autonome. Attaque, 1, 2, pouce. Voilà, super. Bien, Séraphine, très bien. Aïe, aïe. Les mois, je vais dire, d'août à décembre sont très compliqués parce que le changement est vraiment brutal et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration. Mais c'est une... Pour moi, c'est la plus belle école de la vie parce que c'est, on doit avoir une organisation et je pense que même pour plus tard dans leur vie professionnelle ou adulte, c'est tout ce qu'elles ont acquis ici, c'est une expérience fabuleuse. Pour Séraphine, les progrès se font déjà ressentir, le travail commence à payer. Elle a déjà eu l'honneur de jouer en championnat avec l'équipe de première régionale du centre AWBB. De temps en temps, ouais. Ouais. C'est quand même des bons moments aussi, ça, ces instants-là en R1. Ouais, franchement, c'est des bons moments. C'est pas trop impressionnant? Si, quand même, un peu, mais c'est bien. Quels sont tes objectifs personnels dans le basket? En arrivant ici, il y a quand même une petite idée derrière la tête. Aller le plus haut possible. La D1, on y pense? Ouais, la D1, ce serait vraiment top. One, three. De retour au basket club de Ciney, donc pour cette deuxième mi-temps de cette finale de la Coupe AWBB U16 entre le Collège Saint-Louis et United Basket Woluwe. On a toujours Bastien Gila, enfin j'ai toujours Bastien Gila à côté de moi et j'espère qu'il est toujours autant en forme qu'en première mi-temps. Pas de problème, je suis chaud, il n'y a pas de problème. On va, voilà, directement. Directement, ouais, les consignes sont claires, hein, Marine dans la raquette. Ouais, c'est de... Oh, il doit marquer ça. Hein. Je pense que le début du troisième quart va être très important là. Si une équipe se détache, c'est peut-être maintenant. Ou alors on va assister à un match qui jouera dans le Money Time dans les 5 dernières minutes. Joué. Hop. Ouais, ouais, ouais. On tente de jouer encore une fois avec nous. Ouais. Paire de balles. Le choix tactique reste le même. Enfin, reste le même, non. Puisque
Saint-Louis est repassé en man-to-man défense, donc défense homme à homme, alors qu'ils avaient terminé la première mi-temps en défense de zone. Et Olué a l'air de garder son fidèle man-to-man. On va voir. Il devrait être pressé par deux joueurs. Ouais, c'est une faute un peu ridicule parce qu'elle ne sert à rien, il n'est pas dangereux. Il faut faire attention à ce genre de faute, surtout en deuxième mi-temps. Bastien, vous avez fait le décompte des fautes à la mi-temps. Oui. Donc, que faut-il retenir finalement? À Wallier, il y a quand même deux joueurs à trois fautes. Hein. Donc, le coach a quand même pris des risques. Désolé pour le désagrément, parce qu'on vient à peine de reprendre le match. C'était dû, donc la coupure était due, une coupure d'électricité dans tout le complexe sportif. Donc les joueurs viennent à peine de reprendre et eu qu'un seul panier marqué. C'était pour Wolué, c'était d'ailleurs Alexis Moukamba. Et Wolué a repris l'avance dans cette rencontre, 39-41 pour les Bruxellois. Et on est de retour avec Bastien Gillin, mais on espère que les joueurs vont rester concentrés après cette interruption d'une dizaine de minutes. Oui, mais depuis il y a eu très peu de paniers en tout cas. Et il y a beaucoup de maladresse des deux côtés. À croire qu'ils nous ont attendus. Oui, ils nous attendaient. Hein. C'est normal. Hein. C'est nous les rois ici. Oh. Voilà. Moukamba avec Gleaner et passe n'arrive pas à destination. Et c'est simplement. Par contre, Russell a pris deux shots et il a encore raté les deux. Donc, il est vraiment pas dans son match. On espère qu'il finira quand même par rentrer dedans aujourd'hui. Je pense qu'un joueur comme ça, déjà, s'il peut marquer un panier facile, une petite contre-attaque, allez hop, c'est toujours important quand on n'est pas en confiance. Le problème, c'est que c'est le shooter à distance, normalement. Oui. Donc c'est pas évident de prendre confiance à distance, c'est peut-être plus compliqué en tout cas. Oui, ça va être très compliqué. Surtout qu'à mon avis, Wolué, Saint-Louis, pardon, aura quand même un partage en zone encore, ils vont certainement encore alterner les défenses, donc ce serait important de trouver un shooter à ce moment-là. Mais c'est du côté évolué, on n'a pas encore alterné. Non, il n'alterne pas, il joue man-to-man défense, traditionnel. Maintenant, le numéro 11 de Wolué a quand même déjà trois fautes, le coach prend quand même des risques. Il va le laisser jouer tant qu'il n'a pas fait sa quatrième. Et le numéro 13 également. Donc il ne met pas les deux en même temps au jeu. C'est bien joué de sa part parce que. Il n'a peut-être pas le choix. Enfin. S'il se retrouve avec ses deux pivots à quatre fautes, il va être en problème. Ouais, là, il va bientôt la faire, hein, le numéro 11, s'il continue. Ouais. Avec Gonda face à lui. Hein. Ouais. Gonda. Ils vont switcher, il doit switcher. Bah, c'est Rosen qui doit faire faute, alors dans ce cas-là, interception de Vreugde. Attention. Il va aller le déposer. Ouais. Bien joué de Vreugde qui, durant toute sa poussée de balle, il est resté vraiment au contact du joueur parce qu'en même temps, il voulait aller marquer, mais en même temps, je suis sûr qu'il voulait avoir une faute. Il cherchait le 1-1. Donc, écran du top, les deux pivots, le joueur opposé plonge inside, voilà. Là, il va peut-être jouer sur un contre 1. Et Marine avec Gonda à l'intérieur. Voilà, 24 secondes. Bonne défense de Wolué. Il y a peut-être quand même une petite faute là à l'intérieur. En tout cas. Ouais, c'est Wolué finalement à qui profite le mieux cette interruption. Hein. Tout à fait. Wolué qui je pense était vraiment à la rupture en fin de deuxième carton qui. Et voilà, directement changement de défense. Hein. Ah ben voilà. Ouais, l'interception d'Ahmed. Romain Ahmed qui va aller déposer ce panier facile. Donc directement Saint-Louis un peu en difficulté, il est repassé en zone, interception, mauvaise passe de Devreux qui ne peut jamais perdre un ballon comme ça. C'est pas possible. La zone est payante pour Saint-Louis. Ouais. Franchement. Vous, en tant que coach, plutôt zone ou plutôt individuel? Je suis plus pour alterner les défenses. J'aime pas jouer 40 minutes une même défense. Parce que j'aime bien jouer des presses, etc. À la manière de Saint-Louis, alors? Oui, voilà. J'aime bien le style de Saint-Louis. Franchement, j'aime bien. Mais, allez,
on va voir ici l'action. Encore interception de Lebrun qui va aller chercher. Voilà, là on peut siffler faute et le marque. C'est bien joué. Il allait aussi la chercher aussi la faute de Lebrun. Il joue deux fois les situations parfaitement. Il se rattrape un peu de sa perte de balle. Et il est déjà à 15 points. Il a déjà quand même marqué 15 points. Et voilà Mathieu qui est de retour sur le parquet. Mathieu, on l'a vu en fin de deuxième quart-temps. Il était très chaud. Ouais. En tout cas, il apporte du physique et de l'agressivité. Rosen, ça ne rentre toujours pas pour lui. Hein. Et Venta qui se bat. Bien, Venta. Je pense que Barbieu va rester en zone jusqu'à la fin du match. Il va peut-être encore alterner, mais je pense qu'elle marche vraiment bien. En tout cas, le coaching de Barbieu, vous plaît. Hein. Ouais, j'aime bien. Pour l'instant, il coach juste. Il fait ce qu'il faut. Là, quatrième faute. Hein. C'est la quatrième faute. C'est le numéro 11 qui a fait la faute. Ce serait sa quatrième. C'est sa quatrième et le coach le laisse au jeu. Marché de Goum. Et le coach le laisse au jeu. Et donc, comme vous le disiez, il y a aussi le numéro 13, si je ne m'abuse, qui est à 3 fautes et qui est l'autre pivot de l'équipe. Oui, L11, maintenant, il est à 4. Et il reste au jeu, donc le coach, il n'a pas peur. Interception de Marine. Ahmed. Ouais, ils vont aller chercher le joueur qui est à 4 fautes. C'est mal joué. Et Devreux qui est reparti. Devreux qui va. Ouais, il y a la faute. En fait, là il va faire changement quand même. À un moment donné, il faut qu'il arrête le coach. Il veut pas gagner ou quoi? C'est très mal joué l'attaque précédente de Saint-Louis parce que on entend le coach Barbieu qui demande à ses joueurs d'aller provoquer la cinquième faute du 11. C'est très bien demandé, c'est ce qu'il doit faire. Et puis il y a un shot à 3 points. Il ne faut pas shotter à 3 points dans ce genre de situation. Il devait continuer à marteler alors sur le 11. Oui, il faut jouer inside. Et en fait, là, c'est comme si le coach adverse était en train de faire un cadeau. Il fait des cadeaux là. Il laisse le gars et il faut en profiter. Là encore, c'était limite l'intervention du numéro 11. Mais il tient lui aussi prend des risques. S'il tient 14 minutes sans faire sa cinquième faute, chapeau. Il faut lui donner, allez. Mathieu Ahmed et De Vreux qui intercepte encore une fois, c'est la troisième presque que d'affilée. Il la met avec l'aide de l'anneau. Ça permet à Woluwe de mener par 5 points. Il reste 3 minutes et 40 secondes dans ce troisième quart-temps. Encore une fois, quatrième de suite pour De Vreux, évidemment, temps mort demandé. Je vous propose quand même d'aller avec Saint-Louis quand même, pour savoir ce qui se passe, pour savoir comment faire pour réagir face à ces interceptions de De Vreux, ces prises de risque. En fait, il y a deux choses. Au niveau coaching, on va écouter avant Bastien. On lui donne 8 points. 4 pertes de balles, il est tout seul, 8 points qu'on lui donne. Le 11 a 4 fautes. Thibaut. Tom. Cor. Thomas. Romain Ahmed. Et Will. Et Marcus Romain. Thibaut. Que retour, tu mets l'écran sur Tom. Ne provoque pas le switch. C'est simplement pour empêcher au départ. Montre à ton défenseur que tu veux mettre l'écran. Comme ça, il reste là. Et après, tu demandes. Tu ne peux pas passer devant toi, hein. Allez. Allez, les gars. En division 1, c'est sûr et certain. Oui, les joueurs savent. Ils savent bien gérer ce genre de situation. Mais là, en jeune, c'est compliqué. Mais voilà, d'ailleurs, là, maintenant, il a sorti. Il était vraiment temps. Ouais, il va changer de pivot. Et c'est Notterman qui va monter sur le parquet. Ouais, qui lui a 3 fautes. Si directement il est fautif, ça sera à ce moment-là délicat. Oui. Il aura 2 joueurs à 4 fautes. Mais bon, il doit le mettre. Hein. Il doit le mettre, c'est normal. Et avec tout ça, De Vreux est à 20 points. Hein. Ahmed avec Goum et c'est récupéré par Woluwe. Plus 7 pour Woluwe. Hein. Ouais, ils sont fébriles là Saint-Louis, ils sont en train de craquer mentalement parce qu'ils font trop d'erreurs directes. Il va jouer isolation, il est en confiance là maintenant, ben oui, c'est bien joué.
Et De Vrugge qui était à 11 points à la mi-temps, là il vient déjà de presque doubler son quota avec toutes ses interceptions. Il a déjà marqué 8 points. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ces 8 points, il a marqué 8 points faciles, donc il est en confiance sans avoir forcé. Quoi. Là, voilà, maintenant il est en création, perte de balle. Il faut qu'il le joue. Il n'y a pas de faute là. Venta qui s'en sort bien. Boum, Marine à l'intérieur. Et encore une fois, Venta qui se bat, Mathieu. Non, c'est raté. Il faut qu'il monte, tu dois monter là. Voilà. Marine, oui. Et il va chercher la faute. C'est bien joué. Il devait monter. Faute du numéro 5. Hein. Marine qui est quand même pressé au lancer front, il faut qu'il mette les deux pour rester au contact. Hein, parce que ça, je pense que si une équipe part à 10, on la verra pas, hein, ça sera terminé. Oui, 7 points de retard pour Saint-Louis. Marine a la pression pour ses deux lancers francs. Mais Saint-Louis a perdu beaucoup de ballons là, en peu de temps. Ils sont fébriles. Ouais, ils avaient 2 points d'avance à la mi-temps, là ils se retrouvent menés de 7 points. Bien grand. Ah, il a supporté la pression. Mais pour un joueur de sa taille, être précis au lancer franc, c'est très important. Ouais, il a un beau mouvement de shot, c'est bien. 5 points. Et Marine, lui, par contre, qui est à 17 points à la mi-temps. Oh là 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 là. Vous voyez ça? Rosen et De Vrugge qui ne se sont pas compris du tout. Oui, ils ne sont pas compris, mais je suis certain que s'il est en confiance, Rosen, il demande la balle. Et là, il va à l'anneau. Il est en train de douter, le garçon. C'est un peu normal. Et il est pas du tout dans son match. Alors, la question est peut-être de se poser pourquoi le laisser sur le parquet. Oui, mais ça, je pense que. On espère un sursaut d'orgueil. Oui, je pense que le coach le connaît. Il sait de quoi il est capable. Oui, voilà. Quand on est bon une saison. Un coach donnera plus facilement du crédit à ce genre de joueur qu'à un gars qui n'a peut-être rien fait durant la saison ou qui a un peu moins joué. Si Olu est là aujourd'hui, c'est certainement que ce joueur a fait des grosses prestations avant. Hein. Faut pas, oui, autrement, il n'aurait pas autant de temps de jeu. On ne l'a pas encore dit, mais ce sont vraiment les deux ogres qui s'affrontent aujourd'hui en finale. Hein. Ouais, ils ont carrément éclaté toute la concurrence en demi, en quart, en huitième, avec des scores fleuves. Hein. Et dans le championnat, dans leur poule respective, ils sont invaincus, donc c'est la finale logique, on va dire. Et Rosen, le voilà, peut-être pour prendre un petit peu de confiance. Il y a faute. Ah. Voilà, bonne création, il y a faute. C'est un peu dommage cette faute parce qu'elle n'était pas utile. Il rentrait quand même dans un double pas là, un peu compliqué. Voilà peut-être les lancers francs que Rosen attendait pour rentrer dans son match. J'espère pour lui. Je pense que s'il rate encore ces deux-là, il faudra qu'il rentre chez lui. Ce sera terminé. En tout cas, c'est vraiment un match avec beaucoup d'intensité et d'agressivité. C'est un bon match. C'est un bon match de basket. On s'attendait à un match serré, c'est le cas. Ouais, ça c'est sûr. Allez, le premier. Oh là, ça va vraiment pas du tout pour Rosen. Le calvaire continue pour lui. Ah, voilà. Voilà. Allez. Peut-être le déclic. Hein. J'espère pour lui. J'espère pour lui. Allez. Matisse. Venta. Matisse à nouveau. Oh. On va aller chercher Marine évidemment à l'intérieur. Non, peut-être. Voilà, avec Andy Sabira et Goum. Andy Sabira à 3 points. Ça ne rentre pas. Et De Vrugge et Rosen. Exactement, Saint-Louis est en train d'arroser à l'extérieur et ça ne marche pas. Il faut qu'il retrouve une stabilité en attaque. Interception de Matisse. Il attend du soutien. Voilà Venta. Matisse à 3 points. Et ça rentre, c'est important ce 3 points. Et le temps mort qui est annulé d'ailleurs par Guillaume Barbieux. C'est normal. Saint-Louis revient à 3 points. 48-51. Il reste 1 minute et 15 secondes dans ce troisième quart-temps. C'est un 3 points qui fait du bien ça. Allez hop. Et d'ailleurs oui, ça relance la mécanique liégeoise.
Goum, il y a une faute de Vreux. Faute un peu ridicule. En fait, on voit que sur les... Voilà, les sœurs Matisse, Marine, c'est comment... Marine. Et Fouta, à chaque fois, c'est le switch qui est effectué, évidemment. Oui. Mais pour une fois, c'est en zone offensive qu'il le fait. Wolué défend beaucoup mieux sur les joueurs inside. Renta, le rebond pour Fouta, qui est le joueur de rebond par excellence, apparemment. Voilà, c'est sa quatrième faute, je pense. Hein. Donc les deux pivots de Wolué sont à 4 fautes. Je pense. J'attends qu'on nous montre pour avoir confirmation. Oui, il y a hésitation à la table en fait. C'est le 13, oui. Ah non. C'est là. Ah non, il n'a pas 4 fautes. Non, ils n'ont pas mis la faute au 13. Je pense pas que c'est au 13 qu'ils ont mis la faute. Matisse, reste ton deuxième shot d'affilée à 3 points, celui-ci ne rentre pas. Ouais, possession pour les Bruxellois. Il va jouer. Ouais. 10 secondes de possession de Vreux. C'est dommage parce qu'il contrôle bien son joueur et puis il s'abaisse pour prendre la balle. Il doit simplement reculer et contrôler la main du dribble. Parce que là, ils sont à 5 fautes d'équipe, donc à chaque fois, ce sera 2 shots. Et ça, pour De Vreux, c'est cadeau. C'est de l'argent au coffre, ça. Oui, il a raté très peu de lancers francs aujourd'hui. Oui, il a marqué. Ah non, il rate quand même. Et le rebond pour Fouta. Oh, et la faute du 13. Quelle faute ridicule. Faute ridicule, il n'a pas le rebond, il doit revenir dans leur pile défensif, point à la ligne. Il ne doit pas chipoter, surtout. Voilà, là, il a. Là, c'est officiel, voilà. Ouais, il a 4 fautes. Donc, la défense avant, ce n'était pas lui qui a eu la faute. Donc, Notterman a 4 fautes et Mukamba aussi. Ouais. Là, le coach va prendre un risque, enfin. Ouais. Là, je pense qu'il devrait quand même le sortir pour la dernière possession. Pour si jamais, on ne sait jamais. Il le laisse quand même. Et après, dans le dernier carton, il va devoir prendre le risque. Hein. Voilà, je pense qu'il va le sortir. Hein. C'est bien joué s'il le sort. Il reste 25 secondes. Ouais, voilà, il le sort. C'est bien joué de la part du coach. On sait jamais une faute offensive ou une percée en force ou quoi. S'il fait sa 5e faute à 20 secondes de la fin, ça serait dommage. Et c'est un Merling qui a remplacé. Notterman, voilà. Le Merling. Une possession, ils doivent garder la balle, attention. Merling, Liner, voilà. De Vreux. Donc ils vont jouer isolation pour Sacha De Vreux qui va provoquer. Aller chercher la faute, il ne faut pas qu'il shot, il faut qu'il aille chercher la faute. Voilà, très bien, je pense qu'il y a faute. Là, il se fait éjecter après son shot. En fait. Ouais, c'est la fin de ce troisième quart-temps. Et Saint-Louis est mené de 3 points alors qu'il menait de 2 points à la fin de la première mi-temps. Donc finalement, c'est United Basket de Wolué qui a mieux géré cette coupure d'électricité finalement. Tout à fait, étonnamment. Moi, je pense que le moteur de l'équipe a pris les choses en main en allant chercher des ballons et en partant en contre-attaque. Il a eu des liens faciles et ça a relancé un peu son équipe. Il était peut-être un petit peu un ton en dessous à la fin du deuxième quart-temps et il s'est bien réveillé dans le troisième. Oui, hein. Oui, ouais, je pense que c'est toute l'équipe finalement. Hein, oui, la pause lui a fait du bien parce que bon, il n'a pas encore quitté le terrain, il était fatigué donc il était un peu émoussé. Il a pu se reposer un peu à la mi-temps et là il a bien relancé la mécanique. Mais sur la dernière action, je pense qu'il s'est fait mal. Je serais curieux de voir s'il va redémarrer. Il a demandé changement à son coach. Et soyons clairs, si ce joueur se blesse et qu'il ne joue pas le dernier carton, les chances de Wolué vont diminuer. Maintenant, on va voir. C'est un tour, c'est rien, c'est un simple coup. On va voir aussi comment l'entraîneur, le coach de Wolué va gérer le problème des pivots, des pivots fautifs. Mais c'est là que
coacher, c'est pas bien compliqué, hein, mais dans tout, avec ce genre de situation, c'est là qu'on va voir un peu les solutions que le coach va mettre en place. Et tout ça. Hypothétiquement, si les deux se retrouvent à 5 fautes, que faire? Alors faire rentrer comme il l'a fait le Hammerling. Oui. Donc, il n'aura pas d'autre choix de toute façon. Donc là, il va jouer très petit. Il joue petit, il n'a pas assez de grand. Donc là, c'est peut-être le moment pour le coach de Saint-Louis de faire monter ses grands pour aller s'imposer dans la raquette. Il y a déjà Fouta qui est là, ce serait faire rentrer Marine avec Fouta. Ouais, voilà, il devrait faire rentrer Marine pour moi, hein, à mon avis, c'est ça. Et alors surtout, là on voit que Sacha Devreux est plus sur le terrain. C'est Rosen qui va prendre la distribution. Ouais, Rosen qui va prendre la distribution. C'est le moment, pour lui, c'est le moment de rentrer en piste. Hein. On va voir ce qu'il va faire, il sort sa balle, bien joué. Hammerling, le shot. C'est un bon shot. Ouais, rebond pour les Bruxellois. Par contre, ça, c'est pas normal. Hein. Il lâche encore un rebond alors que il y a beaucoup moins de taille pour l'instant. Il y a Glinner et Marché. Un marché, oui. Wolué aura mené très régulièrement, très souvent dans cette rencontre et finalement n'aura jamais décroché complètement Saint-Louis. Oui, non, pourtant, à un moment donné, il manquait pas grand-chose. Hein. Oui, 7 points d'avance. Il faut qu'il donne. Bien, Rosen, bien, il se bat sur le ballon, c'est bien. Quand on n'est pas dans son match, finalement, ce qu'on a de mieux à faire, c'est se battre. En défense, hein. En défense, je pense que pour tout joueur, pour entrer dans un match, l'idéal, c'est se donner à fond en défense. Ça met en confiance l'équipe. Voilà, Rosen d'ailleurs, il va aller chercher. La faute. Voilà. Faute de Matisse. Pour lui, c'est vraiment le moment de se montrer parce que il doit prendre le relais, hein, pour faire souffler Devreux quelques minutes. C'est la quatrième faute. C'est quel numéro qui fait la faute? C'est Matisse, je pense que c'est le 12 qui fait la faute. Ouais. Il rate encore un lancer franc. Un sur deux, c'est trop comme peu pour un joueur comme aussi. Pour un shooter comme ça, c'est trop peu. Alors il y a faute. Hein. Okay. Oui, Matisse. Là, il prend encore un shot avec à 3 points. Savira. Et boum. Boum, ça fait mal. Ça. Et ça permet à Saint-Louis de presque recoller au score. Encore un point de retard. Winner, Hammerling. L'attaque. Avec Rosen. Bonne défense. Bonne défense de Saint-Louis. On voit directement que sans leur distributeur, Olué est beaucoup moins performant. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Et c'est ce que je vous disais en début de partie. Il faut faire attention de ne pas être dépendant d'un seul joueur parce que en fin de match, bien souvent, ça se paye cash. C'est là qu'on voit que le problème se situe peut-être au niveau de Rosen qui était censé prendre la relève et qui ne parvient pas à le faire. Oui, en tout cas. Le rebond encore pour Fouta. Il a une belle détente, hein, Fouta. Voilà. Et il lance. 54-53. Voilà, là. Et voilà. Rosen se fait bâcher par Rosen. Fouta. Boum, et la faute. Oui, la faute. Hein. Faute de Guinard. Oh, les supporters sont en train de s'emballer là. Ça s'emballe du côté de Wolué. Oui, mais là il y a faute. Hein. Il ne faut pas non plus rigoler. Et Rosen, il faut qu'il arrête ça. Il faut qu'il rentre chez lui, se reposer. Ça lui fera du bien. Il est à côté de ses pompes, le garçon. Ça ne va pas. Et le coach de Wolué prend un risque. Il reste quand même 8 minutes. Mais oui. Il doit le prendre. Il doit faire rejouer. Il doit faire remonter son pivot. Bon, on va aller voir du côté de Wolué, hein, cette fois-ci, justement pour savoir comment faire avec le pivot. Ok, hey! Sacha, tu vas pour Max, ok? Alexis, tu vas pour Logan, ok? Hey, les gars, offensivement, il y a un point seulement, ok? Ils vont peut-être mettre leur tenant, c'est prendre un moins 3, c'est rien de grave. Offensivement, venir avec la situation ici, où on a peut-être l'écran, et l'écran side screen, et attaquer, ou peu importe, c'est pas ça le plus important. Ce qu'on doit retrouver, c'est notre envie défensive qu'on a eu au début du troisième quart-temps. Ça nous a créé des contre-attaques et on a eu de belles possibilités derrière. Regardez, quand vous attaquez, les joueurs sur les côtés, on a des passes à faire.
Et derrière, on va avoir extra passe et on va déposer un lève. Ok. Après, rebond défensif. Ok. Rebond défensif et offensif. Allez. On va chercher Alexis maintenant à l'intérieur. Sache, chercher Alexis à l'intérieur. Allez, comment on joue ça à l'intérieur. Hein. Donc. Il a dit, on joue très. Enfin, il joue peut-être pas assez à l'intérieur, justement. Oui, il joue pas assez à l'intérieur. Maintenant, je pense que là, le temps mort coach de Woluwe, c'était plus pour rebooster un peu ses joueurs parce que je pense qu'ils étaient en train de baisser un peu Pavillon et d'avoir une perte de morale. Mais ils n'ont qu'un point de retard pourtant. Hein. Oui, ils n'ont qu'un point de retard, mais ils ont joué. Ils jouaient beaucoup moins collectif et ça se ressentait. Il n'a pas vraiment demandé une situation tactique bien spécifique comme fait le coach de Saint-Louis. Donc. On va voir la réaction. En tout cas, il a remis De Vreugde directement. Hein. Ouais, c'est Rosen hein. Qui est sorti. Voilà, voilà. Le beau pressing hein, Saint-Louis. De Vreugde qui récupère. Ouais, un Merlink. Merlink qui y va, qui dépose et il y a faute. Faute de Fouta. C'était limite. Hein. C'était encore une fois limite sur le press là. Woluwe doit faire attention. Il faut qu'il marque les deux. Hein. Je pense qu'il n'a pas encore joué beaucoup, le numéro 9. Non, c'est Hammerling. Ouais. Et bien sûr, dans ces conditions, avec la pression, etc., marquer les lancers francs, ça devient important. 0-2. C'est pas bon. Là, ça, ce panier ici va être très important. Ouais. Si Saint-Louis le met, je pense que on tiendra peut-être notre vainqueur. Hein. Vous l'aviez dit tout à l'heure, si Saint-Louis prend des points d'avance, ce sera très difficile. Mais c'est mal joué, c'est très mal joué. Il joue trop individuel là, sur cette action. Il joue un écran au top. Oh là là, il est tout seul, Gleaner. Et le rebond pour Fouta. Je pense que le coach de Saint-Louis devrait remettre son pivot. Pour enfoncer le clou là maintenant. Oh, bien joué. Ouais, bien joué de Goum. Ah, c'est dommage. C'était très bien joué. Hein. Manque de réussite là. De Vreugde, c'était une passe difficile. Allez. Dika De Vreugde. Toujours en défense de zone. Dika à nouveau. Il est monté trop haut. Il y va seul, c'est bien joué de la part de Dika. Bien joué, mais encore une fois sur la défense de zone, une passe, une pénétration. Il n'y a pas vraiment de jeu collectif. Ah voilà. Ouais, Marine va remonter sur le parquet dans quelques instants. Hein. Logique, il fallait qu'il monte. Oh là là, Thomas Goum, plus 4 pour Saint-Louis. Qu'est-ce qu'il nous marque là? Qu'est-ce qu'il vient de marquer lui? Ça peut faire très mal ça. Le petit Venta. Oh là, il n'y a pas de défense sur l'écran. Ouais, De Vreugde, le rebond est pour. Et pour Venta. Ah, dommage. Dommage. Récupéré par De Vreugde. Là, il faut marquer ce panier là hein, pour Woluwe. Ouais. Il reste 6 minutes et 10 secondes dans cette rencontre. Il encore. Ouais, le rebond. Le rebond, s'il vous plaît. La faute de Matisse. Hein. On a quand même eu là deux mauvaises attaques de Woluwe. Enfin, surtout la dernière, le shot de De Vreugde, là, c'est pas bien pris. Et Saint-Louis joue vraiment une bonne défense, mais le rebond, c'est une catastrophe. C'est vraiment le point faible qu'on peut retenir de ce match-là pour l'instant, du côté de Saint-Louis. Et Matisse cède sa place. Et Romain Ahmed revient sur le parquet. Et de lancer franc pour Dika. Avec un peu de réussite, mais ça fait partie du jeu. Ah, pourtant, il a bien géré la pression, ouais. Dika. Pourtant, ça criait fort du côté des supporters de Saint-Louis. Alors... Enzi Sabira. Il va faire ça avec Marine à l'intérieur, ça ne passe pas. C'est limite, hein. C'est très très limite la défense du,
du joueur de Woluwe là sur Marine. Et du numéro 11, c'était Mukamba. C'est moi, Mukamba qui a 4 fautes. Oui. Il a 4 fautes et là il va jouer avec les bras. C'est pas la première fois qu'il prend des risques, Mukamba, dans sa défense. Là, attention. Il va falloir shotter. Hein. Il va marcher. Un marché de Nenzi Sabira. Le coach Barbier n'est pas content parce que c'est pas, il voulait pas jouer cette situation offensive. Il voulait autre chose. Et deux points d'avance pour Saint-Louis, De Vreugde. Bien joué ça. Mukamba qui se retrouve à l'intérieur, le rebond est pour Dika. Trois rebonds d'affilée pour Woluwe. De Vreugde. Ouais, c'est bien joué, De Vreugde à l'intérieur. Ah, un rebond pour Andy Sabira et ça repart du côté de Saint-Louis. Oh, il le prend. Prend le shot à 3 points, c'est magnifique. Quelle prise de responsabilité de la part de Thomas Goum. Oh, lui je l'aime. Oh, lui je l'aime. C'est pas la première fois qu'il rentre quelque chose ça. Et ce petit gars là. Ah, il est tout petit mais il est fort. Hein. La réponse immédiate. La réponse de Thomas Goum, c'est cleaner. Hein. Je pense que c'est un des premiers 3 points ou deuxième peut-être de Woluwe. Ils n'ont pas marqué beaucoup de shots à 3 points. Hein. Et je pense que le premier, c'était déjà Gleaner d'ailleurs, qu'il avait pris. Oh, il doit lui rendre. Voilà. Oh. On sent le coach Bastien sur le parquet. Oui, parce que là, il était quand même seul, donc il doit lui donner la balle. Hein. Un joueur chaud, on doit lui donner le ballon. On doit jouer pour l'isoler. Comme je disais tantôt, sans se focaliser uniquement sur lui, mais ça doit venir naturellement. Et Rosen qui est de retour sur le parquet. Rosen, De Vreugde avec Gleaner, Mukamba, il ne peut pas faire de faute Mukamba. Il joue bien. Et Romain Ahmed. Il n'est pas sûr. Sabira. Oh là là. On n'est pas encore d'accord d'ailleurs. Vous me pensez que c'était pour Saint-Louis cette balle? Je pensais oui, mais il faut faire attention là maintenant, la dernière possession. Elles sont super super importantes et j'ai hâte de voir un peu comment ces jeunes garçons vont gérer la pression parce que là maintenant. Ouais, Rosen a une faute de Goum. Il a bien payé là. Ouais. Parce qu'il il a glissé. Mais je pense qu'il y avait un contact quand même à la base. Et l'arbitre est un peu revenu sur le contact de départ. Et vous voyez, du côté de Saint-Louis, on reste en zone. Hein. On a plus changé. Hein. Et je pense qu'il fait le bon choix jusqu'ici. Il va le prendre. De Vreugde, Venta face à lui. Il prend le shot à 3 points et ça rentre. Et ça permet à Woluwe de repasser un point devant, 63-62. Il reste 3 minutes et 50 secondes. C'est très très fort hein, parce que là, situation arrêtée comme ça, le joueur est dessus. Voilà, il fait sa 5e faute. Et voilà. Mais non. Là, je pense que le coach a tort de s'énerver. Sur l'arbitre, même si je suis mal placé pour dire ça. Ça c'est vrai. Mais là, le joueur est pas malin. Marine n'est pas un shooter à 3 points, il est en surpression sur lui. Il va faire une faute là à 2 mètres de la ligne des 3 points. C'est dommage. Oui, il a 5 fautes. Oui. Ouais, il est dehors. C'est terminé. Il est surpris d'ailleurs. Il est surpris. Alors s'il est surpris, c'est qu'on ne l'a pas informé. Et là, c'est qu'il y a une grosse erreur. Une erreur de communication avec son coach. Ouais. Il a déjà traîné dans plusieurs situations un peu particulières où quand on a 4 fautes, on ne traîne pas là-dedans. On sort. Et Gonda, magnifique avec l'aide de la planche. Bien joué. Bien joué. Saint-Louis reprend les devants. Attention. Ils sont sans cesse harcelés. De Vreugde, à 3 points, il est tout seul. Le rebond encore une fois pour Woluwe, par contre cette fois-ci on n'en profite pas. Dika qu'on avait très peu vu en première mi-temps, cette fois-ci on le voit un peu plus hein, ce quatrième quart-temps. Il fait du bien et là par contre ça ne rentre pas. Il est présent. Hein. Il est présent. Là votre petit chouchou, hein, le numéro 4, Goum. Gonda qui ressort, Enzi Sabira à 3 points. Oh. Manque de réussite des deux côtés à distance. Récupéré par Thomas Goum. Trop de perte de balle.
Doucement, c'est mal joué. C'est très difficile ça. C'est mal joué. Il doit poser le jeu là. Et j'aime bien le numéro 4 parce que c'est un joueur propre, j'aime bien les joueurs propres. Il a fait très peu d'erreurs. Et tous les shots qu'il a pris, c'était des bons shots. Ouais, le jump shot de Kamara. Il vient de revenir sur le parquet et directement prend ses responsabilités. Ben là, on commence à avoir de la réussite au niveau des shots longue distance. Hein. Ça prouve que les joueurs restent lucides et efficaces. Ça va se jouer au finish. Hein. Ouais. Aide à l'opposé. Marine à l'intérieur. Aide à l'opposé. Oh, pop, marché. Voilà. J'ai eu la même situation mercredi. Moi, on ne m'a pas sifflé marché. Hein. C'est pour ça que je me suis énervé. En tant que coach ou joueur cette fois-là? Non, en tant que coach. En tant que joueur, je m'énerve très peu. Je suis fort calme. Rosen. Il va encore le prendre, non, il va jouer intérieur, bien joué. Mauvaise défense de Marine. Hein. Ouais. Il ne peut pas faire ça. Et temps mort demandé par Guillaume Barbieux. D'ailleurs, on va aller près de Guillaume Barbieux. Ouais, je suis pas sûr que ça soit judicieux de prendre temps mort là maintenant. Et Collège Saint-Louis. Là, je pense qu'il vient de faire une erreur, là, le coach Barbieux. Les gars, on vient ici. La rentrée. Max, il fait la rentrée. Thibaut, ici, Orly, Tom, Thomas, écran, Orly, tu demandes, t'as mal. Là, ils vont switcher sur cet écran-là. Tout de suite, tu passes devant. D'accord? Et tu viens terminer dans la raquette. Si jamais on ne sait pas donner cette balle-là, écran sur Thomas, Orly, tu viens donner la balle-là, et puis tu mets écran sur Max, il vient ici au top. Soit shot, soit cut pour le drive. Ok les gars. Et deux minutes c'est long hein. Ouais. Winton. Donc comme aux autres temps morts, il a demandé de travailler intérieur, pas de surprise. Maintenant le problème c'est qu'il prend son temps mort à 1:58 de la fin. Et ça veut dire qu'il lui reste plus qu'un seul temps mort. S'il l'avait pris à 2 minutes 1 de la fin, il lui restait encore. Pour la dernière possession. Ouais, voilà. Ouais. Donc. Moi, en tout cas, j'aime bien garder mes temps morts, surtout dans les matchs serrés. Là, on va voir maintenant s'il marque. Est-ce que Saint-Louis doit aller chercher? Ouais, ça rentre pour Marine, voilà, c'est bien ça joué. Rentre, c'est bien joué. On verra, on en reparlera dans une minute. Oui, ça faisait un moment qu'il n'avait plus marqué d'ailleurs, hein. Oui. Marine. Interception, c'est très important, ça Gonda s'il le met. Oh, il y a la faute. La faute de Dika. Ouais, la pression des supporters s'intensifie aussi. Ben voilà, je retire ce que j'ai dit, c'était un bon temps mort du coach. Hein. Ils ont marqué 2 points derrière et puis après interception. Et ils vont peut-être marquer 3-4 points plus la rentrée. Saint-Louis a 1 point de retard. Gonda doit au moins en mettre un des deux. Ouais. Évidemment, dans le meilleur des mondes, ils en mettent les deux. Je suis impressionné, ils sont vraiment. Ils ratent pas leur lancer franc en fin de match. Il supporte la pression, c'est bien. Ouais, vous m'aurez. Bravo, mon petit. Il reste 1 minute et 42 secondes. Avec une possession pour Saint-Louis en plus. Et si on assistait à des prolongations. Ouais. Tout ça pour vous avoir plus longtemps en tant que consultant. Hein. Oui, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Il joue encore intérieur. Là, Marine. Bien joué. Gonda et joué de Dika. Oh. Ah là là. Que décide l'arbitre là? Non, il donne la faute, c'est logique. Il a eu de la chance hein, parce qu'il a feinté une fois, deux fois. Il a un peu tardé à monter. Hein. Mais bon, il a bien payé. Il a 2 lancers francs. Il vient d'en rentrer 2. Donc au lancer franc pour le moment il est chaud, il est très chaud hein, Gonda. Bravo. Bravo mon garçon. Ce sont peut-être les lancers francs les plus importants de la rencontre à ceux-là. Ouais. C'est bien. Ah là là. 2 points d'avance pour Saint-Louis. Il reste 1 minute et 20 secondes. Rosen, De Vreugde. Ça va être chaud.
Attention à l'interception. De Vruyck à 3 points, s'il le met, oh là là, c'est incroyable. Là. De Vruyck le met. Ça permet à Volley de reprendre l'avance qu'elle chassait croisée dans cette fin de match. Qu'est-ce qu'il marque là, lui? Qu'est-ce qu'il vient de marquer? Gonda. Et il fait l'interception. Ouais, il fait l'interception en plus. Il est là. Si vous lui gagnez, ne cherchez pas. Le MVP est là. Le MVP est là, il n'y a pas de problème. Ouais, le voilà d'ailleurs, le MVP qui donne à Dika. Quel shot à 3 points il a marqué. Il a la pression. Il reste 40 secondes. Allez, il va le rejouer. Il serait fou de shotter, il doit aller chercher la faute. Voilà, bien joué. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Il aurait été fou de shotter, mais le shot qu'il marque juste avant, il en a mis deux aujourd'hui avec de la pression. Ça, c'est du top niveau. C'est vraiment du top niveau. Ouais, vous dites qu'il aurait été fou de shotter, mais en même temps, il est capable de les mettre. Hein, donc, Ouais. Là, mort demandé par Guillaume Barbieux. Ouais, le coach doit prendre temps mort, il va avoir la rentrée en zone avant. Et c'est eu la rentrée à 2-3 points d'avance pour évoluer. Le temps mort donné, demandé par Guillaume Barbieux. On va aller voir Guillaume Barbieux encore une fois. Mais c'est là qu'il faut aller voir hein, comment va réagir Saint-Louis. Oui. Francis Gold. On n'est pas forcément obligé de shooter à 3 points, hein. D'accord? Mais il faut chercher une solution rapide. Orly, on démarre ici en baseline. Thibaut, high post. Max, sur la rentrée, ok? Thomas et Tom, écran ici, vous les verrez la passe sur Orly. D'accord? Max, tu viens chercher au end-off. Au moment, la balle est faite ici dans end-off. Toi, tu coupes. Et Thibaut, tu viens là. Avec Tom, double écran, chercher le shot de Thomas. Si jamais on rate, ou si on marque à 2 points, il faut faire faute de suite. Hein. Pas violente, hein, pas volontaire. Allez. On est dans une situation classique où il va d'abord demander d'aller chercher un panier à 2 points. Ça sert à rien de prendre un shot à 3 points maintenant, parce que bon... C'est trop tôt. Oui, il a encore le temps, surtout que il reste 36 secondes. S'ils parviennent à prendre un shot assez rapide à l'intérieur, après ils auront encore une possession. Donc ça peut être intéressant. Là, Olué, Saint-Louis peut avoir encore deux shots, tandis qu'Olué, on aura plus qu'un. Donc, mais il ne faut pas traîner. Hein. Ah, il ne faut pas traîner on du tout. On va voir. Voilà. Gonda, Andy Sabira. Voilà, là. S'il attend trop. Voilà, alors maintenant, il faut. Gonda, il doit y aller. Non, c'est trop tard maintenant. C'est trop tard. D'ailleurs, le coach n'est pas content. Hein. C'est pas ce qu'il voulait. Andy Sabira à 3 points peut-être, non? C'est pas ce qu'il voulait, voilà. Goum. Et le rebond, et ça c'est, à mon avis, ça signifie la fin des haricots pour Saint-Louis. Hein. Ouais, c'est fini. C'est fini. Ils ont très mal géré cette attaque Saint-Louis. Ils avaient encore toutes les cartes en main parce que, ok, on marque quoi, ils sont derrière, mais ils ont encore deux possessions. Sur deux possessions, ils peuvent encore marquer 4 points, voire 6 points. Et là, ben, s'ils marquent un des deux, je crains que... Ouais, il craque vraiment au plus mauvais moment. Hein. Ouais, mais... Non. Là... On a simplement eu un joueur exceptionnel en face qui a tué le match en deux actions. Avec son 3 points, il tue le match. Ouais. Et il a été clutch. Et clutch player. Qui met le deuxième également, 5 points d'avance. Et vous voyez, quand je vous disais qu'il avait pris son temps mort trop tôt... Gonda. Là, ben voilà. Récupéré par Enzi Sabira, Marine, Goum, le jump shot de Goum. Ça rentre pas et c'est terminé. Hein. C'est terminé, c'est Woluwe qui s'impose ici en finale. 74-69. Et quelle belle prestation. Mais il n'y a pas que Sacha De Vruyck, il y a également eu d'autres belles prestations à côté. Je pense à Malik Dika. Je pense aussi à Gliner qui a marqué pas mal, qui a marqué 2-3 points qui étaient importants. Oui. Ouais, on a assisté à un super match. Hein. Vraiment, c'était un match de qualité, d'un bon niveau. Et voilà, je pense que dans le genre de rencontre, c'est les détails qui font la différence. Là, en l'occurrence, le détail s'appelle De Vruyck. C'est un sacré détail. Oui, moi, c'est lui qui fait basculer la rencontre. Hein. Il a pris la rencontre en main de A à Z. Hein. De la première à la dernière minute, il l'a pris en main. Et de l'autre côté, ben, Marine s'est un peu éteint en deuxième mi-temps. Hein.
Et ça, ça a fait mal. Hein. Ouais, il a été félicitations, il a été mieux. Félicitations. Félicitations. Il a été mieux muselé. Oui, ouais, il a été mieux muselé. Puis, Rolué a mieux défendu dessus. Ils l'ont privé de ballon inside. Et voilà, on n'a pas trouvé de solution du côté de Saint-Louis. Après, moi, je reste persuadé que cette équipe de Saint-Louis, collectivement, est beaucoup plus forte. Quoi. Mais bon, comme quoi, en basket... Vous avez apprécié le coaching aussi. Malheureusement, le coaching est perdant, mais vous avez quand même apprécié aujourd'hui. Oui, moi, je pense qu'il est... C'est un coach qui peut rentrer chez lui aujourd'hui et pas se poser de questions. Il a fait ce qu'il devait faire. Après, au niveau des rotations, ça, je ne sais pas dire, mais en tout cas, au niveau coaching, il a fait très peu d'erreurs. J'étais un peu moins persuadé du côté de Olué, mais voilà, il a gagné. Donc, un coach qui gagne, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Bah voilà, merci beaucoup, en tout cas, Bastien, d'avoir commenté cette rencontre avec moi, avec nous. Et moi, je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée, une bonne soirée plutôt. Et oui. À très bientôt. Ben, merci à vous, c'était un plaisir. À bientôt. Ça te va, mon gars? Bon. Tout d'abord, je veux appeler M. Renzo Boscati, qui va remettre le souvenir à la paire arbitrale de cette finale minime, finale de WBB 2015. Sous vos applaudissements, les deux arbitres de cette finale qui reçoivent le cadeau souvenir de la de M. Renzo Boscati du département arbitrage de la WBB. Thank you.
et le coach de l'United de l'Université qui reçoit également un cadeau soutenu de la part de l'organisation. Et c'est monsieur Jean-Pierre Delchef.